Précédemment, dans Toxique. Et je m'en fous, je fais le truc, moi. D'ailleurs, j'ai un plan pour toi si tu veux. Dis-moi, c'est combien, moi? 5000 euros. Non, je fais de la musique en ce moment. La musique, c'est dur, Jay, c'est dur à mort. Je peux pas faire ça. T'as fait des feats avec qui? Avec Cinco et NASA. Demande à ton père, il va te dire. Tu devrais faire du basket, reprends le basket. Fais quoi, Toto? Fais quoi? Ça va pas avec moi, cet entraîneur. Tranquille. Jay, je prends les goûts de lui. Vous vous connaissez? Oui, c'est ma sœur. Je savais que je pouvais compter sur toi. Franchement, Yerot. Il faut que je te parle, tu peux venir, s'il te plaît? Et moi? Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Tu parles avec ma sœur? Waouh! Faut que je te parle. Ouais, bien sûr. Ouais, je l'entends parler. Je vais donner. Ouais. Il m'a dit que tu portes garant. T'es au courant? Ouais, bien sûr, je suis au courant. Bah ouais, je crois que je devrais laisser faire un truc comme ça. Moi, je sais que vous tous les deux, vous êtes comme ça. Ouais, bien sûr. Je me suis dit, bon, tu t'es porté garant, donc si c'est carré, si c'est carré au niveau du G, moi, ça va, tu vois. Ouais, non, mais ça va, t'inquiète. On va te garant. Donc, on fait comment? Je me les rends. Ah, ça peut attendre, tu sais, après je vais te faire en coupure, tu vois, genre 50 euros par mois, ça te fait en 8 ans, ça te fait, t'auras tes 5000 euros en 8 ans. Waouh. Ah là là, bon. On va te dire 8 ans, 50 euros tous les mois. Ouais, tous les mois, on peut commencer à jouer. Et tu vois, c'est ça qui... Vous me mettez dans des positions, je vais pas en arriver là, tu vois. Trop de parfum. Tu veux quoi? Je voulais te parler d'un truc que j'ai sur le cœur. Non, c'est sérieux, là, gros, ça m'a dit. Non, pas touché, gros, non. Mais gros, tu l'as dit. T'as bien vu le facteur la dernière fois. Ouais, non, j'ai vu. Non, mais tranquille. C'est calme, y'a rien. On va te déranger, t'inquiète, mon pote. C'est. Bon, oui. Je sais pas, ça me. Non, t'inquiète. Tranquille. Not yet. Sit. Voilà. Fais la garde, monsieur. En bruit, en disant. Non, on disait que j'allais te la rendre les 5000 euros. Moi, j'avais accepté pour un. Waouh. Mais deux, je peux pas accepter. Non, mais ça va. Trop. Deux, j'ai rien fait avec Anthony. What? Il a regardé beau, même pas sympathique. Ouais. Ah, tu vois, c'est ça mon con. Hey, bon, t'inquiète pas, bon, allez, détends-toi. C'est ça que j'ai proposé de l'eau dans ma piscine, non? Non, t'inquiète. Tu vois? Qui? What? Mais pourquoi Anthony? Pourquoi tu parles d'Anthony? Il a quoi à voir dans cette histoire? Moi, j'avais déjà tout organisé avec Jay et tout. Je vais faire quoi? Je vais devoir le rembourser? Parle de quoi, oui. Comment je... Bah, c'est qui, Jay? Bah, lui? Moi? Toi? Moi? Mais t'es mon frère, qu'est-ce que tu racontes? Demi-frère? Wow. Ouais? Demi-frère? Oh non! Ta mère, c'est pas ma mère, on n'a pas la même mère, toi et moi. Ouais, bref, bon. Tu veux quoi? Quelques jours. Ok, pas bah, quelques jours. Quelques... Ouais, non, t'inquiète. Moi, je suis basketteur. Moi? Je suis pas méchant. Non, t'es plus méchant. Mais mes potes, ça fait méchant. C'est tout. Non mais c'est très important, pourquoi tu t'entraînes toujours, t'essaies de séparer nos individualités. Et on vit t'es au même endroit. Comme un couple, voilà. Oh mon dieu, t'es en train de craquer là. Non, je dis pas qu'on... Aux États-Unis ça se fait très bien ça. Oh. Et Offset Cardi B, ils ont les beaux parents et tout. Ouais. Tout le temps, toi t'es très... T'es trop... Mais qu'est-ce que tu racontes? T'es trop parisienne toi. Ah oh, vas-y, je me casse. Toi, ta tête Napoléon... Quoi, c'est parfum? Vas-y, toi, y'a pas de soucis. Pas de soucis, gros. Et l'entraînement, ça tient toujours.
Faut focus sur autre chose. On s'en fout d'autre chose. Là, il faut que tu sois là, il faut que tu prouves que t'es quelqu'un de solide dans la vie, là, tu vois. 5000 euros, c'est pas clair, tu vois. Moi, ça me ferait chier de devoir à quelqu'un 5000 euros, tu vois. Ouais. C'est un truc de ouf, mais bon. C'est ouf. Tu sais que là, c'est bon, t'inquiète. Ouais, j'ai. Vas-y, bro. Vas-y, à la prochaine. Ouais. Ferme l'air, ferme le corps que tu sors, c'est bon. Tu dates, hein, là, t'es dame, tu dates trop, wesh. C'est-à-dire qu'on lève ton masque, non? Quoi faire? Non, mais ça, moi, je viens de voir, tu gardes ton masque. Non, lève-le, wesh, t'es bizarre, toi. J'ai pas envie. Allez, vas-y, s'il te plaît, je viens de voir ta bouche. Quoi? What? Ça y est, je rigole, je viens de voir ta tête, ça fait longtemps, là, t'es dame, ça fait longtemps, je t'ai pas vu. Elle est devenue fraîche, la petite Inès, hein. Elle a grandi, hein. Putain. Fais voir. Waouh, c'est qui, wesh? C'est la petite Inès, gros. Inès? Ouais, gros, c'est la petite Inès. Elle a grandi, wesh, t'as elle est vu ça, gros, elle est devenue fraîche, hein. Passe ton snap, passe ton snap. Avant de passer snap, pas de salem, pas de bonjour, gros. Waouh. Comme salem, mon frère, ça va, tranquille, ouais, ça se passe. Mathilde, c'est vraiment elle. Aïe, madame. Aïe. Tu te dates, non, mais en fait, tu me boycottes, en fait, depuis là. Bon, quoi, je te boycotte, regarde, là, on se capte et tout, wesh, y'a rien, wesh. Reviens, tu vois, maintenant bon fit, tranquille, Sten, ouais, j'étais chelou, ouais, je vois, t'es chelou. Tu fais quoi? Mais passe-moi son snap, s'il te plaît, voilà, genre. Son snap? Ah, tu sais quoi, je préfère lui envoyer un message avant, histoire de lui demander, tu vois, comment pas. On est plus des enfants, frère, passe-moi son snap. Tu vois, en parlant d'enfants, les cours pour les jeunes, tout ça, gros, c'est comment là? Mais c'est pas le sujet, frère, juste passe-moi son snap et c'est réglé. Wesh, ça y est, toi, depuis le premier épisode, je suis sur tes côtes, frère. Déjà, ils veulent qu'on se gagne, non, gros, tu regardes pas les commentaires ou quoi? J'ai pas envie. Vas-y, tu sais quoi, je lui envoie un message avant, histoire de, tu vois. Et après, je peux compter sur toi. J'ai pas envie. Vas-y, t'as pas compris. Mais j'ai pas envie. Ça y est, wesh. J'ai pas envie. Oh non. T'es d'homme, toi, tu tords, frère. T'es une tordeuse, là. T'es d'homme, tu tords. Ok. Vas-y, frère. Sinon, je te calcule, toi, en fait. Bizarre, votre poteau, là. Ouais, gros, tu peux compter sur moi. Vas-y, t'es un bon frérot. Ça va quoi? Allez, comme ça, là, mon frère. Assurance, sur le gamin. Putain. Bizarre, lui, hein. Hé, hey, ça va, Jay? Ça va, toi? Bah ouais, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'es là? Comment ça, qu'est-ce qui m'arrive, frère? Mais tu fais quoi, là? Eh, hey, vas-y, je vais très bien, qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Mais je sais pas, t'as l'air crispé, t'es... Ouais, je suis crispé parce que j'ai envie de chier, frère. Oh. Y'a quoi? Je sais pas, je me sens pas très bien en ce moment. Comment ça, pas bien? Je sais pas, tu peux pas comprendre. Bah dis-moi. En fait, je suis en manque d'affection. Oh, jure. Ouais. Oh, non. T'as mes papiers? C'est pas grave. J'ai envie de chier, voilà. Rentre chez toi, va aux toilettes, je sais pas. Pourquoi tu restes ici? Et toi, pourquoi tu restes ici? Mais je t'ai vu, je me suis dit, ça fait longtemps. Je sais pas. Ouais, ça fait longtemps. Bah dis-moi, tu danses encore? Bah oui. Bah va danser ailleurs, poteau. Va danser ailleurs. Oh. Fais ton chacalé, voilà. Oh là là, mais qu'est-ce qui t'arrive, Jay? En tout cas, ça me fait grave plaisir que tu sois avec moi. Ouais, je te jure. En plus, j'aime trop ta nouvelle perruque, Mathilde. Ma quoi? Ma biche. T'as pas dit ça? J'ai dit ma biche, t'as mal compris. T'as pas dit ça? Et tu comprends très mal. Hein. J'ai dit t'as ma biche. T'as dit Mathilde? Oh là là! Il y a des jours où on veut parler, il y a des jours où on veut pas parler, frère. C'est comme ça. J'ai toujours tendu votre poteau là. Vas-y, vas-y, va là-bas. N'importe quoi. Papa Okara, tu sais quoi? Vas-y, dépose-moi. Va quoi? Okara. Okara, toi-même, moi, j'étais malade. Dépose-moi. Vraiment, on est ensemble, tu veux que je te dépose? Dépose-moi. Arrête tes conneries, viens. Vas-y, tu me découtes, vas-y. Ah oh, bah va te faire foutre, Jay. Toi aussi, va te faire foutre. Elle est folle, en plus t'as grossi. Waouh, c'est une grosse puce là. Ça c'est le vrai bien. C'est pas mon tas là. Vas-y. Puis capotage, toi-même frérot, c'est le vrai bien. €5 000, gros. 5 coffres. Tu sais ce que je fais avec 5 balles, gros? Ouais, dis-moi. J'achète une villa. Ouais. J'achète le terrain de foot en face de chez moi. Et tu trouves pas que ça fait un peu beaucoup? Non, là, gros, je peux le faire, gros. Avec les 5 000 euros. Un penthouse et un appart au quartier, gros. C'est un peu ça. Ouais, vous parlez de quoi, les gars? Toi, toujours, tu t'y mets dans les conversations. Ouais, tu dis même pas bonjour, gros. Oh non, gros, comment ça? Je dis pas bonjour. Ça y est, on se connaît. Non, c'est une conversation. Une conversation privée. J'ai, s'il te plaît, c'est une conversation privée. Tu peux nous laisser tranquillement, s'il te plaît. Ouais, je sais très bien de quoi vous parlez, les frères. Tu parles de quoi?
Kim Minor, bah, c'est sûr. Toi, voilà. Toujours Kim Minor. Wow. Toujours Kim Minor. On parlait toi, toujours les meufs. Les meufs. Arrête un peu. Mais ça se trouve, c'est ça. Mais vas-y, tu veux pas dire. Vas-y, tranquille, tranquille. Jay, faut grandir. Vraiment, faut grandir, gros. Ouais, Mati, on est parti à la danse, elle a encore bouché les toilettes. Vas-y, j'arrive, les gars, j'arrive. Vas-y. Ça coulait, tout c'était dégueulasse. C'est impossible. Tant que j'ai les contacts, je peux tout faire, gros. Je peux même ouvrir une chicha avec 5000 euros. C'est vraiment un vieux mec. C'est vraiment un vieux mec, t'avais raison. Attends. Mais je suis trop énervé là. Y'a personne qui dit bonjour aujourd'hui. Je te jure, ça va. Hé, mon bébé Amina! Fais un câlin! Qu'est-ce que tu veux, toi? Mais wesh, tu m'as boycotté. Quoi? Moi, je t'ai boycotté? Oui, toi, tu m'as boycotté. Mais non, je peux pas te faire ça. C'est parce que je suis un mec occupé. Toi, tu sais, bébé. I'm busy man, I'm saying. Quoi. De toute façon, j'ai refait ma vie. Mais regarde là, celle-là. De toute façon, j'ai refait ma vie. Tu crois que t'as 40 ans ou quoi? Vas-y, arrête de me raconter ta vie là. Vas-y, on va la mettre. Mais lâche-moi, j'ai un copain. Waouh. Il est parti dire à tout le monde qui me gérait. C'est un vieux mec, c'est un truc de malade. Dis ça. Mais en fait, il faut le gourer une bonne fois pour tout temps. Hein. Ah, mais je t'avais prévenu. C'est la vie d'influenceur. Tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Tu penses de qui? Tu vas t'y mettre toi aussi? Par de Jay. Jay. Quoi? T'es un copain? Oui. Mais comment tu veux me faire ça, Amina? Après tout ce qu'on a vécu? On a vécu quoi? Arrête, on a passé quand même plus de 30 épisodes où j'ai essayé de te gérer. Excuse-moi. Arrête de faire la meuf, enfin je sais pas, y'a pas photo quoi, entre nous, hein. Mm-mm. Attends, t'es sérieuse? Oui. Cherche Jay Max? Bah parle vite. Oh non. Tu sais, la femme de Nelson Mandela, elle a trop... On est mariés nous? En plus, y'a avec une meuf. Elle a attendu combien de temps en prison? 27 ans. T'as demandé de parler, quand tu balances. Je demande de rendre service, je rends service. Toi-même, 3 ans, t'aurais même est-ce pas tenu, allez, 2 semaines, quoi. On est pas sortis ensemble. Ouais, ok, on a jamais été ensemble, mais c'était comme si c'était ça, nous deux. Ah, imbécile, va. T'es encore en train de gérer une petite. T'en as pas marre. Non, mais elle, c'est. T'es en couple, toi, non? T'es en couple. Ouais, j'ai un mec, mais gère tes affaires, s'il te plaît. T'as 30 ans. T'as 27. Eh, bref, je suis même pas venu pour ça. T'as pas le diplôme. Waouh. Explique. Wesley, c'est comment? Tranquille ou quoi? Ça va ou pas? Calme, tranquille. Ça dit quoi? Calme, on est là, les gars. D'accord. C'est vous, on vous voit plus, vous êtes bizarre. Tu connais, on est là, on est là. Frère. Ça dit quoi, les gars? Ouais, ça parle d'investissement, tout ça. Ah ouais, c'est un peu tout ça. Ouais, c'est ça. Ça va investir et tout, Zermo. Arrête de dire aux gens qu'on s'est embrassé, qu'on a failli s'embrasser. Ok, c'est ça que tu fais. Je suis pas ton bord. T'as 30 ans. Remets-toi en question, t'as 30 ans. Et il a 30 ans. Je sais même pas pourquoi tu parles avec lui. Il a 30 ans, t'as 30 ans. T'as compris, t'as 30 ans. Moi, je disais qu'avec 5000 euros, je peux acheter une chicha, construire une autoroute, tout ça, tu vois, connais au bled et tout, tu vois, les bons plans. Tu peux l'expliquer, s'il te plaît? Avec combien? 5000 euros. Mais tu dis n'importe quoi, toi, tu en es où, frère? Quoi, maintenant, c'est... avec 5 balles, qu'est-ce que tu ferais, toi? 5 points? Ouais, je ferais quoi? 5000 euros. 5000 euros. 5 points. 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est 5 points. Ah ouais. C'est très simple. Radical. 5 points, j'ai capté. C'est très drôle. Ok. C'est droit, hein. Oh, ils sont trop la bouche. T'as compris, t'as 30 ans. Et dis encore, hein, t'as essayé de me gérer ou je sais pas quoi. Tu verras, imbécile, va. Mmh. Non, faut le laisser dans le sens. On va se démerder, il va régler ça tout seul comme un grand. Hein. Vas-y, fais un bref. Vas-y, les gars, moi je vais y aller. Vas-y, frérot. Je suis. T'attrapes, courant, frérot. Vas-y, les gars. Vas-y. Mais toi, arrête tes conneries de 5000 points auto, terrasse. Non, mais tu connais, frère, c'est la famille. En tout cas, lui, c'est déjà plus logique que tes investissements à toi. T'as eu peur, hein? J'ai pas eu peur, c'est parce que je tape pas les femmes. Sinon, balayé direct, photo. Je tape pas les femmes. Oh non, il y a des hommes. Hein. Je crois vraiment je peux faire des trucs comme ça, genre dire aux gens je t'embrasse. Mais ouais, tout ça. C'est pas mon style, c'est toi ma cam, bébé, wesh. Ah ouais? Allez, vas-y, on va la mettre. Wow. Non. C'est la meuf, elle. Un peu glow-up, là. Allez, vas-y. Allez, peut-être 2000 euros pour une chicha, gros. Je peux plus t'écouter. Un bâtiment, gros. Waouh! T'es content? Sale bâtard, va. De quoi tu me parles? Vas-y, arrête de faire genre, wesh. T'as ramené Kim Minor là-bas alors que j'étais avec une meuf. C'est pas moi, gros. Ouais, c'est pas toi, c'est qui? Oh non! C'est Souley. Qui peut dire des trucs comme ça? Y'a que lui, gros. Ouais, j'ai du mal à croire. Y'a que lui, gros. Parce que la dernière fois, tu m'as parlé d'elle, c'était bizarre. Mais vas-y, c'est quoi maintenant? Je te la laisse. Mais y'a rien. Bravo, tu l'as gagné, t'as gagné. C'est bien, mon ref. Il a gagné. Waouh! À cause de toi là! Amina! Attends, s'il te plaît! T'as vu tout à l'heure, c'était un quiproquo en fait! Tu vois? Laisse-moi tranquille! Fais-moi pour moi! C'est vrai, coach, je me fais mal quoi! Tu j'ai une petite douleur moi! Wesh, ouais, les gars, bien quoi? Tranquille ou quoi? Ah, ça va quoi, Jay? Ouais, ça va! T'as pas vu Anthony là? Mon
temps. Non, ça fait un petit moment, il n'est pas passé. Hein. Quoi, comment ça, il passe plus ici? Il est tout le temps là. Bah, tu connais, hein, il est susceptible un peu. En plus, la dernière fois, je lui ai dit la bombe, coloration, squeletteur, on a tout essayé. Voilà, ouais, pour ses contournements. Ouais, il a pris mal. Et les filles, j'ai trop la rage dedans. C'est votre faute? Ce vieux mec, maintenant il dit à tout le monde qu'on s'embrassait, que je suis sa meuf, ou je sais pas, son bord. Ce vieux mec, tout ça, c'est votre faute. Je suis trop énervée là. Calme-toi. Attendez, les filles, deux minutes, il y a le faux imam du quartier là. Moi, imam. Pourquoi il a fait ça comme ça, wesh? Et pourquoi t'es toujours agressive? Je vais faire une variante, genre, je suis là. Et pourquoi t'es toujours agressive? Tu veux quoi encore, toi? Bah, je suis venu pour ton bien, pour que tu te calmes. Les voisinages, là, ils sont... Et alors, je crie si je veux. Je crie si je veux. Mais ils sont dérangés. C'est pas dans donc... la conscience, ça. Et genre, t'as pas de nouvelles, genre, même pas un message? Non. Je cherche où? Je sais pas. T'as un carotte ou pas? Moi, il peut me carotte. Mais jamais de la vie, wesh. T'es un fou, quoi. C'est mon petit, lui. Je crois vraiment... C'est vrai. Il t'a taclé. Oh, Tupac! Oh non! Tu m'appelles Tupac? Oh, California Love, oui, je connais pas. Tu sais, dans la religion, faut avoir un bon comportement. Et attendez, les filles, je vais me le faire. Hein? Eh, tu vois, toi? Ouais. Tu vois, toi? Tes conseils, là, t'es je sais pas quoi. Eh, va aller demain à autre ou je sais pas. T'as 30 ans toi-même, t'es pas marié, je sais pas, tu fais quoi encore dans le quartier? Tu passes ton temps à donner des conseils aux gens. Tu crois que je vais venir te parler, te demander lui ou Anthony pour une main? Mais je vais pas venir pour une meuf, bon, on a passé là. C'est bizarre. Mais en tout cas, si tu le vois, tu te dis je vais le niquer. Je prends Théon. C'est Jay là, il m'a saoulé. Oh non. C'est encore Jay. Ah ouais. Il a fait quoi encore? Je lui ai dit que j'avais un mec, il veut pas m'écouter. Waouh. Il veut pas m'écouter. Lui, je vous jure, il a du mal à comprendre. Mais t'as déjà enculé? Ouais, non, ça c'était un malentendu, ça c'était pas. Il m'a pas niqué. C'était là, vous, c'était même pas là, frère. Donne-toi tes propres conseils, va t'occuper. Bonne journée. Je suis là pour ton bien. Au revoir, au revoir, quel bien, au revoir. Non, je disais. Non, c'est le fouillement du quartier, là. Il me raconte sa science comme d'habitude. Tu connais lui. Ça fait 30 ans, il est pas marié, lui aussi, il est chelou. Moi, je comprends pas. Vas-y, bref. S'il est là, tu vas me dire. Ah, vas-y, t'inquiète. Ah, vas-y. Je l'ai attrapé là avec une meuf. Anthony il a pas bien frappé. Hein. Il l'a pas bien frappé. Attends, lui verra. C'est un fou ce gars. Depuis je vous le dis. C'est là c'est son défi. Ah oui? Tu peux me dire ça, s'il te plaît? Viens, vas-y. En tout cas, il m'a grave saoulé. Tu sais qu'il m'a même dit d'aller chez lui. Jusqu'à là? Ouais. C'est un fou ce gars. C'est un pervers. Depuis je vous le dis. Mais chétan, qu'est-ce que vous faites là? Ah, excusez-moi. Moi, j'ai mal compris, désolé. J'ai l'esprit vraiment un peu confus. Ça va quoi, Anthony? Tu vas bien? Tranquille, allez. Non, j'ai cru voir d'autres choses, du coup, excusez-moi. T'es grave bizarre, toi. Excusez-moi, bonne journée. Hein. Grave chelou, ce gars. Je connais. Hé, c'est Ellie. Mais c'est le petit mari, ça? Non, je suis pas petit, t'as vu, je suis grand maintenant, je te dépasse. Du coup, t'aimes bien la couple, hein? Ouais, là, j'aime bien, hein. T'as bien fait. On aime pas couper. Non, t'es... Ah bon? Oh non! Hein? Non, t'inquiète. Wesh, les gars, bien quand c'est comment, toi? Calme, ça date, toi. Les gars, ça date! Ouais, c'est un whisky, wesh. Je m'en fais. Wesh, c'est toi. Wesh. T'as pas entendu? Quoi? Mais tu sais que j'ai cherché. Oh non! Qui? J-Max, là. J-Max. Mais qu'est-ce que tu racontes quand ça paraît dentaire? Waouh! Non, mais ça compte pas, ça. Si, ça compte. Tu appelles le pote J-Max, appelle-le Jason. Oh. Non. Il est énervé, hein. Comment il est venu au salon là? Ah gros, terrible, non. Ah ça m'a fait j'ai chaud. Non, on a rien dit, Non. Je vous oublie la dernière fois, vous avez oublié? Vous étiez là, frère, la patate de fond, je lui ai mis, ouais. Si. Vous avez oublié? Non, on a pas oublié. Machin, les gars, concentrez-vous. Juste, il est énervé ce match. On verra seulement. C'est quoi? Va, j'arrive déjà ton âge. Oh non! Ça va pas venir quand j'ai percé. T'inquiète pas pour ça. Ça, c'est des autres problèmes. En bref, Nazim, tu veux me faire mes contours avec... Ouais, vas-y, de toute façon... Les noirs. On a coupé. On va terminer, de toute façon. Vas-y, dis-moi, c'est à toi. Hein. Seigneur, mon gars. Ah, tu gères, mon gars. Pas besoin. Non, ça va. Sinon, Issam, ça va ou quoi, tranquille? Arrête, hein. On est là, tranquille. Ça fait longtemps. Ça date, gros. Ouais, en vrai, tu visquis, toi aussi. T'es pas trop dans la cité, hein. Toujours là, c'est comme... on bouge pas. Regarde, je te montre un geste. Vas-y.
T'es con là, t'es dame, t'es con. Oh no! What? Du coup, tu mets. Waouh! Ça va pas que la tête m'aéronne, tu peux pas faire attention? Mais j'ai pas fait exprès. T'es avec qui là? Moi, je suis avec. Quoi? Oh no! T'es sérieux là? Oh ça! Non, mais je vous expliquais, les gars, je vous expliquais. Vas-y, monte dans la voiture. Mais pas toi! Et tu rentres à la maison! Oh non! Va faire tes devoirs, imbécile. Waouh! Vas-y, monte. Non, c'est parce que des fois, il y a des gens qui me reconnaissent dans la rue. What? Ils me coursent pour enlever mon durag. Attention quand tu montes à la marche, hein. C'est jamais peut-être. Non, t'inquiète. Du coup, je me sens en sécurité. Merci, Maurice. Ils savent. Je peux pas comprendre. Bon, Isol. Enfin, il y a Isol. T'avais raison. Je suis encore dans la merde, mais. Oh non! Voilà, après, je te dis, c'est pas ça pour que tu m'aides, hein, mais. Quelques conseils seraient pas de refus. C'est ma pipe, ça. Ah! Waouh! Putain. Oh non! Peu importe la nuit que vous ayez passé, cette balle de fête. Donc je n'ai plus vu. Et quel conseil tu voudrais que je te donne? What? Pourquoi tu parles comme ça? Avec tes grills là, tu joues à quoi là? C'est pour un film, t'as capté? Change, je m'entraîne pour un rôle. Ah ouais? Eh ouais. Sérieux? Ouais. Mets-moi dans un film, non? Hein? Plug-moi, non? Mais Léim, quand elle marche avec moi, je suis Léim. Allô? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Comment tu vas, frérot? Bonjour. J'ai besoin d'argent, j'ai beaucoup de dettes là, franchement j'ai beaucoup de problèmes. Waouh! Enfin bref, faut que je te parle, faut que tu viennes. Ouais, ouais, on peut discuter, y'a pas de soucis. Petit rôle, une petite apparition. C'est pas pour toi ça. D'ailleurs, en fait, t'es pas encore prêt pour le cinéma. Je te l'avais déjà dit. Ouais, d'ailleurs, j'ai croisé Jay à propos de. Parle sérieux, c'est un truc sérieux là. J'ai un truc pour toi. Putain, mais gros, tu sais, je dois combien au moins? Je dois au moins 5000 euros, frère. 5000 euros? Ouais, je dois 5000 euros. Mais c'est rien ça, 5000 euros. Pas de soucis, frérot. De toute façon, je suis à côté. Vas-y, vas-y. Vas-y, je t'attends tout de suite là. Ok, tout de suite. Salam alaikum, frérot. Vas-y. Là, je vais faire quoi? J'ai, vas-y, 14 jours. 14 jours, je vais prendre 8 balles. 8 balles, c'est rien, 8 balles. Waouh. Tu serais venu dans le cinéma, toi aussi, bam bam! Ça serait venu direct. Non, mais plug-moi, non? Non. Oh non! What? Nah, shit on Anthony, qu'est-ce que tu fais, wesh? Oh non! Non, enfin, je sais pas, t'aimes pas ça? Enfin, c'est dur. Non? Enfin. Vas-y, t'es dégueulasse, toi! J'ai cru. Ça fait deux fois que tu me fais des trucs comme ça, ça fait deux, wesh! Tu penses à quoi? Sale porc, gros. Mais qui joue à la play comme ça en 2021, frère? Gros, j'avais juste froid aux mains. What? Allume le chauffage, frère. T'es un crevard comme ça, wesh. Toi, tu dois être marchand de glace. La vie de ma mère, marchand de glace. Qu'est-ce que tu me racontes? Vas-y, je veux bien t'écouter, mais là, t'abuses un peu. Tu vois, lui? Tu connais pas la puissance de la glace, toi. Faut qu'on parle. Ouais, je sais, tu veux me parler. D'ailleurs, j'ai croisé Jay, frère. Il m'a parlé de ton mariage. What? Mais il m'a montré des capotes et tout. Du coup, j'étais un peu perdu. C'est quoi le lien? Vas-y, qu'est-ce que tu racontes? Déjà, moi, je vais pas me marier. Et moi, je suis pas dans les bails de capote, tout ça, frère. Non, moi, Dieu me voit. Moi, je suis pas dans ça, gros.
Ça doit être Jay, les tours des capotes. Lui, c'est un sale garçon. Marchand de glace, tu vois. Regarde, tu prends un camtar, un petit camtar, tu passes dans tous les quartiers avec ta musique et tout. Là. Et là, tu vends des glaces estampillées J-Max avec ta face et ta gueule dessus. Pouf, du merch. Tu les vends à 50 balles. Ça va partir vite fait. T'en vends 100, t'as 5000, c'est bon. J'ai les 5000 points, là. Déjà? Ouais, je les ai déjà, mais j'ai fait des trucs de ouf. Waouh. Pour les avoir. Ouais, des fois, je mets des coussins et tout. Oh non. C'est chaud. Ton blaze là, tous les petits enfants qui voudront acheter des glaces là, tu imagines le marché de glace, hey, J-Max, wow, gros, wow. Réfléchis un peu. Oh, j'avoue, ça peut le faire. Hein. Tu vas faire un max de billets, frère. J'espère que ton plan est sûr. Hein. Ben, bien sûr qu'il est sûr, regarde mon ref. T'es maman zinque, Yahya. Avec mon plan, il a réussi à avoir des contours de ouf. C'est pas comme le tien. Ah oui, oui. Et en plus, après, tu vois, je peux en parler au producteur. Bah ouais, ouais. Bah ouais, parce que t'as dit, quand on va tourner dans un endroit où il fait un peu chaud, mmh, okay, ouais, ils ont besoin de se désaltérer et tout. Tu viens avec ton camion de glace, tu te places et voilà, vas-y, t'as vu. Au moins, moi, je t'introduis dans le truc. Je te place petit à petit dans le cinéma. Ouais, j'ai capté. T'as capté? Mais la tête d'homme, si tu me guises, la tête d'homme, tu vas plus jamais les revoir. Tu vas plus jamais les revoir, t'as compris? Ah, c'est beau, frère, arrête de crier comme ça. Tu pues la gueule en plus, oh là. Waouh. Ah, mais je vais pas venir juste avec des glaces et après, il va me mettre dans un film. T'es fou ou quoi? Gaston Bide, il est bienvenu, il a donné des chiens et il est rentré dans des films après. Une odeur indescriptible. Non, là, je te parle sérieux, gros. C'est 5000 points, c'est pas rien, frère. Gros, t'inquiète même pas, frère. Compte sur moi. J'ai fait des trucs de ouf, oublie pas. Compte sur moi, je suis ton ref, hein. Je veux pas de guise, hein. Tu crois quoi? De toute façon, Dieu te voit, frère. Tu veux pas me guise, Dieu te voit. Réfléchis, gros. Réfléchis. C'est bon, c'est carré. Vas-y, frérot. Mais j'espère que c'est rapide, ton truc, hein. Bah oui, gros, instantané. Ah ouais? Ouais, ouais, t'inquiète. Ah ouais, c'est bien. Vas-y, salam, frérot. Au revoir. Comment ça, au revoir? Au revoir, oui. Ouais, merci, bro. Je t'ai dit, t'as toujours besoin de moi. Allez, maintenant, je retourne dans mon personnage. Waouh. Dégage. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Salut. Salut. Bissa. Waouh. Tu m'enjailles. Là, tu m'enjailles. Ok. Ouais. Ah ouais. Je veux bien. On me voit plus trop, hein. Je te vois plus trop. C'est toi qu'on me voit plus, carrément. Moi, tu connais, je me fais discret en ce moment. Anthony, Mathilde, ils sont où? Les autres, ah, ils arrivent. Ils vont arriver dans combien de temps? Non, dans pas longtemps, là, ils vont pas tarder. Ah, bah je vais les attendre dehors, là. Pourquoi les attendre dehors? Il pleut en plus, vas-y, reste, viens t'asseoir, il pleut. Ah, mais moi ça me dérange pas. Hein. C'est bon. Il est bon, hein? Ouais, je sais, là, c'est ma mère qui a fait, gros. Non, j'aime bien. Mais bref, là, t'as bu tout ça, bon, dis-moi. Tu l'as volé, tu peux me le dire, tu l'as volé. Mais volé qui? Ah, même si ça te dérange pas, attends, on se connaît, viens t'asseoir. Jay, c'est encore un de tes plans. Un de mes quoi? Ils vont pas arriver, c'est ça? Oh, c'est ton problème, saoulé, ça ton problème. On a deux, là, y'a personne, on est qu'à deux, regarde. Eh oh. On est qu'à deux, gros, dis-moi. Tu l'as volé ou pas? Dis la vérité. Non, mais. Je te parle sérieux, voler qui et quoi? Oh non! Bon, vas-y, je vais parler français, frère. Bah, Kimina, gros, tu l'as volé ou pas, Kimina? Je sais. Non, mais attends, pars pas. Tu vas pas bien? Vous me parlez tout le temps de Kimina. Ça fait des semaines et des semaines que vous me parlez de Kimina. Je suis pas volé, mais tu sais, on s'entend bien. Ah ouais? Et Jay, il a pas su faire les choses bien. Je me sens pas bien. Et je suis censé faire quoi? Je me sens pas bien, bah t'es censé t'asseoir et m'écouter quoi, enfin je sais pas, juste un peu. 2 minutes. Merci, c'est gentil. Comment ça, il a pas fait les choses bien? Elle t'a dit des trucs? Non, elle m'a pas dit des trucs, plutôt il aurait fait des trucs, mais bon, wow. J'ai pas trop envie d'en parler. Du coup? Ah ouais, en fait je suis pas trop bien en ce moment, c'est parce que t'as vu... Il veut pas me dire ce qu'il a. Il fait encore des trucs bizarres dans mon dos. Ce qui il? Tu sais, j'ai pas trop envie d'en parler. Je sais pas si vraiment ça se fait, tu vois. Oh non! Saoulé!
Je suis quelqu'un de confiance, tu peux me faire confiance, mon gars. J'ai bien, mais toi, t'essaies de m'amadouer avec du bisap et tout, et je sais pas. C'est rien, si vraiment je peux t'en parler, gros. C'est juste l'accueil, gros. Vas-y, dis-moi. T'as dit quoi? Bon, allez, mais t'en parles pas. Je te jure, j'en parle pas, je te jure, gros. Oh, bah c'est Anthony. Anthony. Et alors, je suis censé faire quoi, là? Je sais pas, m'aider, me donner des conseils, genre. Tu crois que je suis conseillère dans la passion? Waouh, oh, la vieille, va, mais qu'est-ce que tu me racontes? Non, quand je dis des conseils, c'est genre. Un peu de réconfort, toi. Il lui a envoyé des dick pics. Des quoi? Des dick pics. Oh non! Nus, tous les bails et tout. Mais non. Je te jure, en plus, c'était pas trop ça, apparemment. Ah ouais? Ouais. Oh. Tu réconfort bien peu le bien qu'on a cri, là. Waouh! Quel réconfort? Bonalou. Bonalou? Ah ouais, lui, je veux pêcher, lui, non? Franchement, connaissant Dieu, je pense pas qu'il ait fait ça, non. Impossible. Mais comment ça, vous en discutez entre vous? Non! On a déjà eu ce genre de discussion. Et justement, moi je pense pas qu'il a envoyé ça. C'est juste ça ce que je dis, c'est tout. Vous êtes louche, vous. Ça veut dire vous connaissez les angles, tout ça, contre-plongée, tout ça. What? Contre quoi? Contre-plongée, tu sais. Wow. Vu d'en bas, tout. Non, mon gars, moi je suis pas dans ça. C'est pas le deuxième gardien de. Oh non! Je viens de t'insulter. En tout cas, toi t'es très très bien informé. Hein. Tu fais? Non, même pas, frérot. Même pas, on connaît. Internet et tout. Toi-même, j'ai la série ou quoi? Bref, les 2 minutes sont passées. Quoi? Toi, tu l'as jamais fait, toi? J'ai jamais fait ça du tout de ma vie, gros. Envoyez ça! C'est un team, gros. Ça fait plaisir. C'est un team. Ça fait pas plaisir. Ça fait pas plaisir. Oh non! Tu me laisses 2 minutes? Donc, ça veut dire que si je suis sur le point de mourir, tu me laisses comme ça, toi? Putain. Et vas-y, elle, c'est mort. Je peux même plus la gérer, wesh, comment je vais faire? Ça se passe pas, ça. Mes cheveux! Oh non, c'est pas tout ça. Oh! Amino! Tony! Ouais, je suis fait quoi? Je marche pour aller au métro, là. Sans parapluie! Bah ouais, j'ai peur. T'es malade, toi? Au bout de la rue, là? Là-bas, ouais. Ah ok, bah vas-y, mais bon courage. Bon courage. Non, Tony! Oh non! C'est pas terminé. Oh, mais non, je ne peux pas lâcher, quoi. Je ne peux pas lâcher. Wow! Je t'ai bête ou quoi? Vas-y, monte, wesh. Je pensais que tu m'arrives. Anthony, ouvre là! Mais je peux la gérer. Je peux le faire. Je vais me battre pour elle. Pour aller où? Je vais me battre pour Amina. Je vais me battre. Bon, ok, on a compris. Tu veux te battre pour elle. Mais là, tu tapes dans le vent. Pourquoi? Pourquoi faire? Ça sert à rien. Non, c'est. Oh merde. Ah un peu de... Prends comment je vais te laisser? Bah oui. N'importe quoi, toi. Mais là, vas-y. C'est fatigant. C'est fatigant. Mais genre moi, un mec comme moi, genre J-Max, où il y a v'là les meufs, elles veulent être avec moi, mais Amina fait des fâches genre. Eh hey, J, tu peux la serrer gros. Je peux la serrer cette petite là, elle croit, elle vaut quoi elle? Ouais, mais c'est quand même une 2003 Amina. C'est jeune. Hein. Et toi, t'es pas non plus tout jeune quoi. Voilà Amina, le métro est juste devant toi là. Anthony. Quoi? Faut que tu règles tes histoires avec J. Quelle histoire avec Dieu? Il empiète sur ma vie, il est trop chiant, il est lourd. Non mais moi je dis ça pour toi. Oh ça va. Il y a 9 ans d'écart, il n'y a pas non plus de 10 ans. Oh non. Et en plus voilà quoi, elle est majeure. Elle est vaccinée en plus, elle m'a dit elle a fait Pfizer. C'est quoi le rapport avec moi? Tu veux savoir? Ouais. Il m'a dit tu l'as volé de l'argent. What? Je l'ai quoi? Volé de l'argent. Waouh. Qu'est-ce qu'il raconte? Déjà, pour voler de l'argent à quelqu'un, faut déjà en avoir. Et puis on est en 2021, un peu d'ouverture d'esprit quand même, les gars. Non, mais moi je dis ça pour toi. Tu sais, en plus avec l'affaire R. Kelly en ce moment, c'est pas trop bien vu hein, d'être un pointeur. Non, mais il y a une voix off dans Toxic. On est pas dans You ici, hein. Et moi je suis un voleur, moi. Ah, moi je sais pas, hein. Ça c'est vos histoires. En tout cas, réglez-les, moi, j'en ai marre. Je devrais réfléchir. Ouais, calme-toi, c'est mieux, ouais. Réfléchis.
Comment la gérer? Voilà, maintenant ma stratégie, c'est gérer Amina. Arrête de parler à Dieu, je t'ai dit c'est un toxic boy ce gars. Mais je vais pas écouter Amina. Faut que je trouve une stratégie. J'ai pas de stratégie. Tu veux pas écouter? Oh non! Après tu vas me casser la tête comme quoi c'est moi, c'est mes histoires que j'ai. Faut que je réfléchisse. Ma conscience pro ne parle pas là. Et vas-y, tu te racontes des bêtises, frère. Moi, je suis un voleur, moi. Moi, je suis un voleur, Amina. Vas-y, elle parle quand elle veut, elle, en fait. J'ai capté. En tout cas, merci de m'avoir déposé. Vas-y. Attends. Il me faut juste 5 euros pour l'essence. 5 euros, t'as fait une ligne droite. Mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai fait un demi-tour ligne droite. Hé, c'est un gros modèle, ça, c'est 63. Vas-y. Oh, non. Mais la tête d'homme, la prochaine fois, elle rentre à pied, elle. Avec sa tête, là. Bref, j'ai réussi. Tu vas réussir, Jay. Excuse-moi, ça va ou quoi, tranquille? Bonjour. Enchanté, je m'appelle Anthony, et toi? Enchanté. Luna. Voilà, c'est dinguerie. Eh hey, mais ton gars il me doit un truc hein. Oh non. Mais déjà y'a plus personne qui me dit bonjour ici. En tout cas t'es très très belle Luna. Merci, merci. Et sinon tu veux quoi dans la vie? Mannequin. Mannequin? Ouais. Mais non, ça tombe bien moi. Tu sais quoi, je suis gérant de mannequin, de modèle et tout. C'est pas vrai? Je te jure, wow. Ça tombe à pic. Salam alaikum frérot, ça va tranquille? Ça va toi? C'est comment? Ouais, vu que t'as ton téléphone là, y'a moyen d'avoir le snap de Inès. Waouh. Snap de Inès. Pourquoi tu veux son snap? Oh gros, tu connais, elle va prendre les cours d'arabe et tout. Ça te dérange deux secondes si j'appelle mon collègue, vite fait? Ok, par contre, je suis pressé. Hein. Non, il est à côté, t'inquiète, je l'appelle tout de suite, c'est rapide. Ça marche, ok. J'ai envie d'être son professeur, non? Donc toi, tu veux son snap pour lui apprendre des cours? C'est con, ça. Oh, il veut quoi encore, lui, là? C'est ton gars, l'autre fois, son téléphone, il s'éteint. Sinon, je l'aurais eu son snap. Mais vu que t'as ton téléphone, passe-le-moi. Non. C'est pas ce qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'il allait d'abord lui demander la permission avant de te l'envoyer. On fait les choses dans les règles de l'art. Oh, allô, Jay, bouge bien, quoi. Ouais, tranquille, et toi? Bon, t'es aux toilettes? Non, je m'étire. Donc, je conclus que vous parlez sur mon dos. La médisance. Vous savez que c'est un grand péché, les frères. Le fait de parler sur le dos d'un frère. Et bref, il faut que tu viennes, il y a un bain et t'as peur. Oh, les est-ce que ça vaut le coup? Non, DJ, les dards, ouais. Non, faut que tu viennes. Vas-y, je fais vite, vas-y, à tout à l'heure. Non, tout à l'heure. Ouais, il arrive, j'ai à côté, hein, juste okay. À côté. Là. Ouais, et sinon, t'as quel âge? C'est trop ça? Non, mais je demande ça comme ça, mais ça c'est pas grave si tu veux pas me dire. Envoie-moi directement tes coordonnées, comme ça je t'ai directement, comme ça on s'arrange pour le... On attend ton collègue, non? C'est mieux. De toute façon, c'est pas grave. Grâce à l'aide de Dieu, je vais avoir son snap. Vas-y, bon courage mon frère. C'est comme ça? C'est vraiment le coup. Vas-y, frérot. Vas-y. Bonne journée. Waouh. C'est un test. T'es très fort. D'accord, super. Oh là, t'es très intelligente, hein. Tu réfléchis vite. J'ai perdu la patience, je fais comme 50 dans Candy Shop. Avec elle, j'ai dû jouer les salauds. Elle me dit qu'elle préfère les méchants. Elle croit que je vais lui passer l'anneau. Franchement, t'es pas très grande. C'est des meufs comme ça qu'il nous faut dans notre agence. Ben ouais. Ah, je vais au plus vite là. Ah, ça va ou pas tranquille? T'as bien vu, Yino? Ah, mais c'est caleçon sale. Caleçon sale. Comment dire? Non, mais c'était pas moi, c'était lui en fait, mon coloc. C'est lui mon coloc que je te disais, tu sais, c'était à lui le caleçon. Ah, ok, d'accord. Ouais, vous connaissez? Ouais, on se connaît, mais bidon. C'est pas glorieux, franchement, c'est pas glorieux. Elle me dit qu'elle préfère les méchants. Elle croit que je vais lui passer l'anneau. Elle... Général, t'es tout seul? Ouais, je suis tout seul, mais tu peux m'aider à faire mes devoirs. C'est quoi le boulot là? Tu te rappelles l'agence qu'on gère? Ah ouais, on a une agence, ouais. Ouais, ben voilà, ben je suis tombé sur elle. En plus, hier. Ouais. J'ai reçu un appel de Dior France. Mais non. Ouais, Dior, avec elle tu seras bien. T'inquiète pas, tu seras bien avec elle. C'est trop bien. Waouh. Ok, mais on fait vite. Hein. Ouais, t'inquiète, ça va être rapide. Avec elle tu seras bien accueilli. Mais je t'ai pas dit ce que je faisais moi. Non, mais je peux pas être sympa. Vas-y, on va te les voir. Tranquille, on a le temps.
Ah, mais laisse-moi dire, au moins. Wow. Attends, mais laisse-moi t'expliquer. Moi, je suis artiste. Ok, je comprends, tu veux pas savoir. On veut pas trop savoir ce qu'ils font, les artistes. Mais moi, à côté, je fais du basket. Tu vois, haut niveau, tu vois, je joue en pro. Mais là, en ce moment, je m'entraîne avec des joueurs NBA, t'as vu? C'est sur quoi? Sur un match. Et tu dois rendre ça quand? Je dois rendre ça demain, j'ai un contrôle. C'est les vacances. Genre Kylian Hayes. Ah ouais? Ah, il est trop mignon, j'aime trop. Comment tu sais? T'as pas d'enfant? J'ai un frère. Donc si je fais ça... Tu vois là, du coup je m'entraîne avec lui pour... parce que prochainement il va me faire intégrer une équipe NBA. Hein? Vas-y, tu peux n'importe quoi, quelle NBA frère? T'oublies ce qu'il t'a dit ou quoi? Eh mon gars, je sais pas si t'as vu, mais en ce moment je reprends le basket, t'as vu? Ouais, je fais quelques entraînements, mais c'est pour la pro, mais moi ça me dit rien la pro. Eh, pro, pro B, on connaît déjà! La NBA? Moi il me faut la NBA, ouais. Il faut la NBA, du coup, je pense qu'il y a moins que tu me places un peu, non? Tu me pistonnes un peu, vite fait. Ouais, on peut essayer, ouais, t'as vu? Moi je suis meneur, toi, à l'aile, ouais, j'ai fait des passes et tout. Ok? Ouais, je reste meneur, je suis pas à l'aile. Eh, vas-y, parle-en, ton agent, t'inquiète, moi ça me dérange pas, tu vois. Vas-y, tu racontes, toi. N'importe quoi, et tu n'importe quoi, toi tu l'écoutes. Waouh! Tu veux dire, t'es prêt à faire NBA Combine et la Summer League? Oh non! Vas-y, il est pas prêt! Il est pas prêt! Il dit n'importe quoi, lui, n'importe quoi, non, Kylian, laisse ça, mon gars, t'inquiète. Non, mais t'es mon jus quand même, ouais, bien fait. Pourquoi t'as la rage? J'ai pas la... Mais est-ce que tu m'as vu jouer? Mais je t'ai vu, t'es prêt? Mais laisse NBA, c'est pas pour toi, bro, vas-y, viens au niveau. N'importe quoi, toi. Fou, quoi. Arrête de mentir devant les gens, gros. Et mais en vrai, tranquille, on a le temps. On a le temps. Viens, on se regarde un petit film Netflix. Myron, si c'est pas pour les devoirs, moi j'ai des choses à faire. Non, attends. Ah, bref, vas-y, je suis pas venu pour ça, toi. Viens, on va parler là. Attends, on va parler, hey, vas-y, on s'en fout. On se verra plus tard, t'inquiète, mannequinat. Vas-y, toi. Quoi? Ce serait bien quand tu m'as fait un bisou. Ouais. Bah, vas-y. Réitère. Waouh. Réitère, tu connais des mots comme ça, toi? T'as vu, à chaque fois qu'il y a des belles meufs, tu me dis, je sais pas quoi. Eh, tais-toi! Tu tais! Bro, je sais pas ce que t'as fait, là! J'ai fait quoi? Oh, vas-y, t'as très bien compris, réessaye. Ok. Oh, tu tords. Waouh. Tu tords. Toi, tu parles vraiment comme tes grands frères. Oublie pas que t'as 12 ans. T'as demandé quoi, Kevin? Quel Kevin? Kevin, ouais. C'est Raphaël. Tu as demandé quoi? Balance. Ouais, la balance, c'est ça, ouais. J'aimerais même pas 15 minutes au quartier, frère. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu vas pas tenir 15 minutes dans le quartier. T'as pas honte de demander 5000 euros? Hein? Mais j'ai 12 ans, mais j'ai grandi. L'âge est un chiffre. La mentalité est un tout. Waouh. Tu connais encore tes magouilles avec les grands, hein? Mais tu peux pas comprendre! Tu peux pas comprendre ce que je vis, Jay! J'ai perdu la patience, j'ai fait comme 50 dans Candy Shop. Pas comprendre ce que je vis, Jay. Alors Luna, viens voir Chérie s'il te plaît. Dis-moi. J'ai une petite idée là. Ouais. Suis-moi, ok? Ok. Alors, tu vas te poser exactement comme ça. Waouh. Et tu vas regarder le ciel. Ok. Ok? Pour que tu sois très élégant sur la photo, c'est très important. Ok. Fais confiance, hein. Oui, fais-moi confiance. Ok, de toute façon, tu vas gérer. Je gère. Ok. Je gère. Inès. Hé, j'ai trouvé Inès. Oh, non, c'est... Wesh. Wesh, ouais, c'est quoi cette sourire de bâtard, là? Que des Inès. Wow. Inès. Prends mon téléphone, frère, c'est pour ma soeur. Je suis en train de lui chercher une maquilleuse. Vous regardez le ciel? Tu regardes le ciel, avec okay. La main comme ça. Ok. Pour que tu sois élégant, ok? Ok, d'accord. Oh, non. Tu bouffes pas un peu beaucoup? Non, ça va. Je gère. Inès maquilleuse, hein. T'es très caché ou quoi? Tranquille, y'a rien à faire. Non, j'ai rien à cacher, frérot, y'a rien à cacher. En parlant de cacher, t'as pas vu Anthony là dans les parages? Je le cherche depuis là. Anthony? Non, j'ai pas vu Anthony, ça fait longtemps. T'es sûr, t'as pas vu Anthony toi? Non, j'ai pas vu Anthony, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Cette fois-ci, tu me regardes. Ok. Faut que tu me dévores. Ok. Tu me dévores, ok? T'es sûr que ça va là? C'est parfait. Pourquoi?
Eh, parce qu'il m'a volé 5000 euros, frère. 5000 euros? Ouais. Toi, tu peux générer 5000 balles. Je suis pas sûr que je peux, frère. Je suis J-Max, genre... Oh non! J'ai une dernière pose pour toi. Cette pose-là, Luna, mm-hmm. elle va exploser la toile. Ok. Exploser. T'es sûr? Exploser. Ok. Alors, wow. c'est très simple. Tu vas faire exactement comme moi, ok? La jambe droite devant. What? Ton bras droit sur ta tête. Ok. Et tu regardes le sol. T'es sûr que ça va... C'est là. Fais-moi confiance. Même Cardi B ne l'a pas encore fait. Ah ouais? Mais il te les a pris comment, les 5000 euros? T'as fait un virement? What? Par chèque? Par espèce? Je te fais confiance, hein. Fais-moi confiance. De toute façon, t'es un pro. Mais c'est professionnel. Regarde la caméra de bah professionnel. Ouais, non, allez, c'est sûr. En position, okay, s'il te d'accord. plaît. D'accord. Donc, jambe en avant, main jambe sur la droite, tête. Main sur la tête. Okay, et tu regardes le sol. Hein. Le sol, le ok. sol. D'accord. Comme une déesse grecque. Exactement. Ok, super. Waouh. La déesse Athènes. Pourquoi tu veux savoir ça, toi? Comment il me les a volés? Je sais pas, moi, il me les a volés, frère. T'es là, tu veux savoir comment? Quoi, t'es au courant? Tu sais qu'il me les a volés? Tu sais, toi? C'est quoi le rapport avec moi? Je sais pas, moi. Pourquoi tu t'énerves? Qu'est-ce que ce comportement de coupable là. Ok. Waouh. Mais attends, tes positions là, t'es confortable. Non, c'est bon. Là, pour me... Ouais, c'est bon. Regarde le sol. Ok, d'accord. T'es sûr que tu sais pas? J'en sais rien. Jure. C'est parfait. C'est parfait, Luna. C'est parfait. T'es sûr? T'es c'est pas parfait. Au non, de l'appareil non, 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 non. C'est parfait. Gros, on va pas jurer pour des petites sommes comme ça. C'est haram. Ouais, là, c'est haram. Quand c'est pour faire des voilà en liaison, là. Mais où donc, voilà, voilà. Qu'est-ce que tu racontes, là hein? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu bachas? Non, je disais, voilà, c'est bien. Tu veux voir? Bah ouais, je veux bien. Attends, justement. Vas-y, bon, moi, j'y vais. Hein. Qu'est-ce que t'en dis? C'est quoi ça? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fik. Wa fik, mais c'est quoi le rapport? Ah, c'est pour ça la réponse. Même pas. Revois tes conjugaisons, après viens parler. Ouais, salam. Vas-y, salam. Oh, attends. Attends, je suis venu pour ça. Tu n'as pas bien vu t'es là. T'es censé être photographe, non? Mais rapproche-toi. Tu fais quoi là? Rien Luna, je suis très professionnel, je te montre juste les photos. Mais arrête de mentir, t'es pas professionnel, espèce de mytho va. Qu'est-ce qui se passe Jim? Qu'est-ce qui se passe Jim? Mais si on ta bouche, pourquoi t'es habillé comme ça? Mais Jim. Oh non. Je suis habillé comme ça pour le business, c'est très bien. Ça se voit, il est photographe, ça se voit quand oui, même. Jim. Regarde. Et toi, qu'est-ce que tu me parles toi? Avec ta couple on dirait exhibit. Waouh. Ouais mais Jim, c'est quelle manière de parler à notre cliente? Eh hey, je parle comme je veux, y'a quoi? Tu vas faire quoi? Non franchement, je ne le comprends pas vraiment, désolé. Mais vas-y, arrête de parler comme ça, t'es relou toi. Qu'est-ce qui se passe, Jim? Arrête de faire l'innocent, tu me dois 5000 balles. Ouais. 5000 combien? 5000 euros? Attends, t'es sérieux là? 5000 euros, ouais, ouais. Je ne sais pas de quoi il parle, franchement. J Max. Comment tu peux endetter des gens comme ça, toi? Mais attends, c'est beaucoup quand même, hein? Ouais, c'est beaucoup, hein? Waouh! Clochard. Mais enfin, J, je comprends pas. Et arrête de parler comme ça, je t'ai dit là! Ouais, je t'ai sers, toi, au coup, wesh! Pourquoi tu parles de ça devant elle, wesh? Oh non! Fallait pas faire ça. Franchement, ouais. On donne beaucoup, hein? Waouh! Vas-y, de toute façon, c'est fini, là. Et mes photos? Vas-y, tes photos, y'a plus, y'a plus. Elles sont nulles, tes photos. Je suis sérieux, lui. Oh, non. Eh, hey, mais rien. J'ai croisé ton gars l'autre jour. Qui? Ton gars, là, le lourd. Lequel lourd? Le frère, tu sais, le frère, là. Putain, oui, j'ai proche un camion, frère. T'es content? On en a gros, tu voulais, frère. On fait quoi ici, wesh? Ah, gros, pose pas trop de questions. Tu me dois bien ça. Oh non! Comment ça, je te dois bien ça? On doit rendre 5000 euros à Kevin. Wow. Donc là, tu vas suivre mon plan. Zach. Oh, lui. Ok. Il voulait quoi, lui? T'es, il m'a encore pris la tête pour la petite Inès. Encore? Ouais. Ah, je suis force, lui. Mais toi, tu l'as dit ce que je t'ai dit? Vas-y, c'est quoi ton plan, frère? J'espère que t'as un bon plan. Ouais, t'inquiète pas. Je fais du merch. What? Merchandising. Du coup? C'est ce que les youtubeurs, ils font, tu vois. Il y en a, ils vendent des pulls, il y en a, ils vendent des bougies, hein, ils vendent des petits accessoires, tu vois, un truc qui représente bon, bien leur communauté. Toi, tu vends quoi, frère? Ouais, je lui ai dit, je l'ai prévenu et tout, que je devais te demander avant et tout, mais je sais pas, il me demande des trucs bizarres, tu vois. Demande quoi de bizarre? Je sais pas, il voulait lui apprendre des cours de langue, je sais pas, j'ai pas capté. Ouais, il voulait la gueule encore, lui. Tu vas vendre quoi? Moi, je vends des glaces. Des quoi?
Des glaces. Mais non, des cours d'arabe, frère. Ah, d'arabe. Mais c'est des glaces G-Max, gros. Tu sais, c'est... moi, c'est sur le terrain, tu vois. J'ai pas besoin de dire à mes abonnés, ouais. Non, moi, je vais direct, tu vois. Wow. Tu vois. Et comme je sais que les enfants, ils aiment bien nos vidéos. Du coup, tu crois, les enfants, ils achètent des glaces G-Max. Arabe. D'arabe, avec Inès, à la mosquée. Ouais, c'est bizarre un peu. Mais j'espère que t'as beaucoup de glaces, frère. Ouais, ouais, t'inquiète pas, gros. Hé, hey, 5000 euros avec des glaces. Eh, hey, j'en ai 100. Et comme je les vends 50, du coup, 100 fois 50. Mais t'es trop con, quoi, Jay. Ça fait 500 euros, frère. Et les 4500 sont passés où, wesh? Mais de toute façon, tu peux lui dire que c'est mort. Hein. Pourquoi? Ah non, c'est mort, bon, je suis déjà dessus. 100 fois 50, ça fait combien? Oh non. 500? Eh, hey, vas-y, fais un prêt, vas-y, moi je me casse, frère, ton plan bourbier, là. Eh, hey, ramène l'argent, frère, il faut 5000 balles, là. Kevin, il va nous flinguer. Non. Je suis déjà dessus. Putain, il est trop frais, je t'ai fou. C'est mort. Tu connais ton gars. Putain. C'est mort pour lui. Ça fait toujours les meufs, toi. Mais tu me dis Kevin va nous flinguer, c'est toi qui mets dans la merde, tu me portes garant, après tu dis Kevin va nous flinguer, imbécile, va. Eh, bref. Récupérons les 5000 balles, vas-y, moi je me casse, frère, ton plan bourbier. Non, mais t'inquiète, là, les petits, on dirait, ils sont intéressés, regarde par ici, là. Ça fait, il y a quoi dedans? Hein? Mais tu reviens. Eh! Reviens! Oh non! T'es le bâtard, va. Il me met dans la merde et après il me dit Kevin, je sais pas quoi. Bref, allez, je vais commencer. Putain, c'est léger. Toi, t'es toujours là, de toute façon. Toujours meilleur que Jay. Putain, et au quartier là, les petits là, ouais. Ils sont bouillants là maintenant. Oh, c'est des grands là-bas, ils restent comme ça sous la pluie. Salut les enfants! Ça va, vous allez bien? Oh, c'est J-Max! Ouais, c'est moi, J-Max, ouais. Oh, eh. Oh non! Je sais! Eh, c'est n'importe quoi, c'est un truc de ouf! Ouais, toi! Ouais. Je sais, eh, non, je sais! Comment? 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 C'est comment? Ça va ou quoi? Wesh! T'es arrivé quoi? Est-ce que je peux avoir une photo? Ah! Bon, si tu veux une photo, faut d'abord m'acheter une glace. Oh non! Ça coûte combien la glace? Elle sera 50 euros! Waouh! Hein? Ouais, 50 euros! Non, mais c'est parce que c'est des glaces G-Max, c'est pour ça que ça coûte 50 euros. Mais vous inquiétez pas, elles sont très bonnes, hein. Non, rien de grave. Wow. Ah ouais, t'es grave. Sûr? Ouais, ouais, t'as rien de grave. Mais petit, la vérité, tout petit. Rien de grave. C'est rien, ça. C'est un accident. Il s'est fait morceauter, gros. Comment ça? Tête à tête, t'as perdu. Non! Hey, sors pas ton téléphone, là. Oh non. Tu donnes d'abord 50 euros pour la glace. Ah bah moi, je t'en fiche, des glaces. Non! C'est ton travail et je perds pas de tête à tête, moi. Non, il a perdu de tête à tête! C'est mal! Mais c'est 300 tête à tête et tout, pourtant! Oh, tu ouais. M'avais appris! Oh non! Non, mais. Un costaud gorille comme ah, ça! Ouais? Il a mis des patates! Il est tombé! Waouh! Il est tombé, il a pris sa cheville! Il a crié! Ah. Moi j'ai quand même une glace! T'as pas 50 euros sur toi, mais tu veux la glace, hein? Ouais, va demander à ta mère. Oh non! Pas bien ce que tu fais. Heureusement pas. Non, c'est notre petit, il peut savoir la vérité. Non, c'est moi, j'ai dû venir lui dire. Non, mais c'est un accident. C'est un accident. En bref. Retourne le jouer, je monte. Tes glaces, je monte. Ça me saoule parce que je me suis dit quoi? Imagine, j'ai un problème avec d'autres grands, d'autres quartiers. Jurement, j'ai appelé Ben. Quoi? Bah quoi? T'as pas honte? Bah non, j'ai pas honte, honte de quoi? Tu vends des glaces 50 euros et t'as pas honte? Mais t'as perdu! Ah, tu peux toujours compter sur moi! Qu'est-ce que tu connais au business, toi, ma petite? Business de quoi? Business de quoi? Tu vends des glaces! Waouh! Tu crois que Beyoncé leur a vendu combien ces glaces? Au moins 150 euros! Moi, J-Max, tu vois, c'est, ça va, 50, c'est raisonnable! Non! Tu peux toujours compter sur moi! Bon, bref, j'arrive, pas touche! Hein. Et les petits, les petits, les petits! Venez, venez, venez! On va appeler le petit. Non. Mais casse. Oh non. C'est sérieux là? Je vais vous attraper. Soulé.
Ouais. Je peux te parler vite fait. Ouais, dis-moi, frère. J'ai un truc à te dire. Ouais. Mais t'as capté, faut vraiment que tu le gardes pour toi. Vas-y, on y va. Non, c'est pas bon, les gars. C'était grave, ouais. Il était sûr de lui, en plus. Mais t'es un ouf, toi. Comment ça, tu peux pas te confier à moi? Tu peux te confier, tu connais. On se connaît depuis tout petit, ouais. Maternelle ensemble, tout. T'es venu chez la daronne, t'as graillé le mafé, tu me fais des vagues. Ouais, c'est vrai, ça aussi, ouais, c'est vrai. Ah ouais, non, arrête, frère. Dis-moi. Non, il se fait battre comme ça. Mais non, vas-y, arrête. Il s'est fait masser, mon gars. Eh, hey, Gigi, hey, tu as pu rejeter ta tête, ouais. Mais c'est pas le moment de parler de ça, frère. On s'est fait braquer, là. Quoi? Je vais pas aller par quatre chemins, en fait. T'as... Je vais te le dire directement. Jay lui a envoyé des dick pics. What? Hein? Jay lui a envoyé des dick pics. Ils nous ont tout pris, ils étaient là, cagoulés, gantés, ils étaient balèzes, frère. Ils m'ont tout pris, ouais. Je m'en ragole, frère. Ils m'ont menacé avec une arme. Ils ont pris quoi? Ils ont pris. Mais comment tu sais? Comment je sais? Gros, moi aussi, wesh. What? T'es fou. Comme ça, toi aussi. Ah, après, moi, j'ai fait pire. Moi, je l'ai tordu la go, gros. Je t'en fous, toi, je l'ai tordu. Ils ont pris quoi? Ils ont pris. Ils ont pris quoi? 2 kilos de coke, ils nous ont pris 2 kilos de coke. 2 kilos de coke. Les gars, 2 kilos de coke, ouais. 2 kilos de coke. Toi, t'as réussi à la tordre? Je l'ai tordu, frérot. Tu dis dinguerie, tu dis n'importe quoi. Je l'ai tordu comme ça, comment ça, moi j'aurais pas pu la tordre, gros. Je l'ai tué, frérot, si je te le dis, je l'ai tué. Tu faisais quoi avec deux petits jours de coke en plein milieu comme ça? Bah, en fait, on était avec, parce que. Fallait qu'on trouve un point de rendez-vous, tu vois. 2 kilos de coke! Genre, moi je viens, je fais les vannes et tout, je la tords pas, toi tu la tords. Ça veut dire quoi ça? Je t'ai à foutre tout ce que tu dis, frérot. Oh non! Oh, mais regarde, quartier, j'ai 2 kilos de coke ici, c'est pas possible, je vais te faire braquer, c'est sûr. Ah ouais? Ouais, je sais que c'est dangereux, c'est normal, on se fait braquer. C'est quoi votre plan? 2 kilos? Ils ont tout pris, j'ai tout. Ils ont tout pris, surtout c'est la vie. Eh, vous, votre problème, c'est que vous aimez bien parler. Moi, Ice Contact, direct, soirée, Airbnb, c'est dans la boîte. T'inquiète pas. Et on va aller du monde, on va trouver ça. Quoi? Non, vous êtes pas obligés, les gars. Si. Non, vous êtes pas obligés, les frérots. Eh, hey, c'est juste un braquage. C'est ça votre problème, vous aimez bien parler. Oui, moi, je parle tous les jours avec, tout, on s'appelle, tous les soirs. Tous les soirs, je l'ai au téléphone. Hein. Ah, mais gros. Tous les soirs. Et toi, tu viens un coup et c'est parti. Bah, peut-être. C'est la fête. Le soir où tu l'as au téléphone, j'ai de la vie tordue. What? Peut-être nos petits. On vous doit ça, on va les trouver. Ouais, merci. Merci, t'es mon petit. Merci. On va faire notre enquête. On va faire notre enquête. On a nos soldats, tu savais, de toute façon, on a nos petits, on va les trouver. Là, vous avez des contacts, ouais. On peut faire comme ça. 2 kilos. Sinon, elle vient d'où ta glace? Tu l'as eu? Oh, putain, c'est des petits. T'as pas vu? Ouais, si, j'en ai une glace, c'est parti en courant, il me passe une glace. Elle est dure, c'est dure, elle est trop bonne. Ah ouais, elle est bonne. Hein. C'est triste, hein. Mais bon, mon gars, moi j'y vais, hein. J'en voulais une. Des petits? What? Plein de petits comme ça, des petits garçons, des filles et tout. Ils m'ont donné, franchement, une tuerie. Tu gardes ce que je t'ai dit pour toi? Eh, t'inquiète. T'as capté, frérot? T'inquiète. Je te fais confiance, hein. Bon, les gars, on s'en gère, ça. Gère. Ouais, vas-y, merci. On gère, ça t'inquiète pas. C'est bien, vas-y. 2 kilos de coke. T'as dit 2 kilos de coke, Jay! Je te fais confiance. T'es un ouf. Ouais, t'es un ouf. Ils disent pas, mais t'inquiète pas, on va les récupérer. On les garde, ouais, ils sont sérieux. Alors? 2 kilos. Alors? Tu crois que j'ai pas oublié leurs histoires là, ces petits là? Ouais, putain. Donc peut-être même pas. Allez, on garde. Allô? Ouais, 2 kilos de coke, ouais. Attends. Pourquoi tu leur as dit ça aussi? 2 kilos de coke, t'es bête ou quoi? Mais tu crois que je vais leur dire on a perdu des glaces ou quoi? Oh non! On sera même pas crédible dans les grands frères maintenant! Putain! Comment ça des petits, Jay? C'était des petits? Non, c'était pas des petits. C'était des mecs, ils étaient quand même balèzes, hein, ils étaient balèzes. Quoi. Tu sais pas la dinguerie qu'il m'a dit? Y'a plus rien! Contrôle nos plans là. Waouh! Quel plan? On a plus rien! Dis n'importe quoi, lui, de toute façon. Je crois même pas. T'as vu, on peut pas te laisser des trucs, frère. Comment c'est? Tu vas rigoler. Casse les couilles. Waouh! T'as si, c'est vrai que c'était des petits. Putain. Ça prend du temps. Je dis ça va marcher avec Amina, mais avec elle, ça va marcher. Salut, ça va?
Ouais, ça va et toi? Attends. Viens, on discute, viens, on parle, wesh. Viens, tranquille. Sont où les autres? Ça va? T'inquiète. Oh. Ouais, passe au soleil. Mais ils sont où les autres? Sont pas là? Ils sont pas là tout seuls, mais t'inquiète. Wow. Donc là, je m'en fais venir, genre. Oh, tu veux déjà danser? C'était pas avec une meuf la dernière fois? What? Vas-y, elle, c'est une petite, frère. En plus, elle a un mec. C'est une 2003. Une 2003, tu penses vraiment, moi, tu peux bouler à des trucs comme ça? T'as un mec bizarre. Donc, oui, c'est possible. Nah. Vas-y, là. Pourquoi tu m'as fait venir, mon abonne? C'est pour que tu m'apprends pas. T'as vu, si je venais te parler aujourd'hui. Et si on s'est croisés, c'est pas pour rien. Oh non! Parce qu'il faut que je te parle des gens qui veulent ton mal. Les gens qui veulent ton mal. Comment ça? Les gens qui veulent ton mal. Mais en fait, toi, le problème, c'est que t'as une vision, elle est réduite. Wow. Tu vois pas qu'à côté de toi, il y a Soulé. Oh non! Commence même pas avec Soulé. Commence pas. En fait, tu vois pas. Non, tu comprends pas le mal qu'il te veut. Toi, il fait genre, il te parle tous les jours en mode c'est ton confident, nanani, nanana. Il te parle tous les jours, hein. Ouais. Mais un jour, quand tu seras faible, il va attaquer. Quoi, papa? Ça. Vas-y, j'ai pas le temps là. Tu vas venir, on va faire ouais, Kimina, qu'est-ce qui se passe avec Jay? Parle avec la bouche, parle pas avec les mains. Oh non! Ouais, je dégage. C'est pour te montrer, c'est pour t'expliquer. Non, tu es obligé. C'est pas nécessaire, encore une fois. Waouh! Donc là, ils sont pas là les autres? Bah non, je suis seul. Lui, il travaille sur la durée. What? Alors que moi, c'est du concret, c'est direct, c'est genre en mode, vas-y, je veux de toi. Ah mais ça, je l'avais bien compris, étant donné que t'es parti beaucoup parler. Non, non, t'as pas compris. Je n'ai yeux que pour toi. Non, passe un bonjour. Moi, j'y vais. Vas-y. T'as capté, c'est genre en mode, vraiment, j'étais dans mon cœur, dans mon thème. Wow. Ah ouais? Ouais, je vais faire les choses bien. T'es sûr? Je suis sûr, wesh. En plus, là, j'ai eu ma nouvelle voiture. Waouh! C'est pas une location? Non, c'est la mienne, ça. T'es sûr? Ouais. Je l'ai pris chez le concessionnaire, là. Yeah! Intéressant. Et on va faire un tour, non? En plus, tu dois avoir froid avec ton crop top. Je t'ai pas demandé de regarder ton crop top. Waouh! T'as vu, toujours, tu débordes. Non, mais tu dois avoir froid. Vas-y, vas-y, viens, on va faire un tour. En plus, elle est chez le chauffeur. Elle est pas mal la caisse hein. Ouais, franchement lourd. Tiens, c'est chauffant, c'est juste toi là. Ok, viens. De toute façon, moi je crois que je vais gérer Kimina. What? T'as entendu parler de 2 kilos? Quel 2 kilos? What? Comment ça, quel 2 kilos? Y'a pas de 2 kilos ici. 2 kilos de quoi? Aujourd'hui tu vas Poucave. Wesh. Quel 2 kilos, mec? Mais je sais que c'est ton équipe, je sais que c'est toi, t'es toujours là, tu tiens le mur, et t'es pas au courant des 2 kilos. Oh, comment ça? Aujourd'hui, tu vas Poucave. Quel vote de 2 kilos de quoi, wesh? T'as 40 ans, t'es encore dans des histoires de cahier, frérot. Tu m'as donné quel âge? Attends. Je vais t'apprendre à parler de mon âge. Je vais t'apprendre. Eh, c'est long. Quoi? Alors que moi, vas-y, je veux de toi. Quel vote de 2 kilos de quoi, wesh? T'as 40 ans, t'es encore dans des histoires de cahier, frérot. Attends. Je vais t'apprendre à parler de mon âge. Ah, en tout cas, merci d'être venu aussi vite. Hein. Je te parle sérieux, merci beaucoup. Bah, c'est normal, tu m'as appelé. C'est quand même fou que la première fois... quand on s'est vu, j'ai vu ta merde. Oh non! Oh, c'est bon, ça y est. Comment ça fait que toi et moi, on s'est jamais, hein? On s'est jamais plugué, on s'est jamais échangé des réseaux et tout, wesh. Peut-être que tu venais toujours à des moments chelous. Non, mais on est parti sur des mauvaises bases, toi et moi. On s'est pas rencontrés dans les bonnes conditions. Tu sens? Quoi? L'osmose qui a, les trucs qui se dégagent quand on se parle, là. Tu sens pas, genre? Si, t'inquiète, je le sens. Et en plus, vraiment, si c'était ma merde... Tu penses que tu serais revenu ici me voir? Hein? Netflix and chill tu dans mon harcelé, lit. Tu m'as harcelé, t'es venu devant chez moi, tu m'as appelé 8 fois en 5 minutes. Oh non! Ouais, donc. Ça a forcé quand même.
Ouais, je te vois sourire. Mais quand tu parles d'harceler, tu dis harceler, attends, tu m'as laissé en remis peut-être 2 jours. Et après, t'as répondu, donc... T'es resté 3 jours devant chez moi. C'était soit ça, soit j'appelle la police, en fait. Waouh. Dommage, là. Je dois repartir. On a un long moment. Tu dois partir où? Quartier de Calais. What? Hein? Non, mais... Je t'appelais, c'est parce que je savais que t'étais là. Je savais que t'étais là. Oh, no. Oui, le quartier de Calais. Oh, no. Verberg, Dunkerque. What? Tu connais le bail de quartier. Il y a la plage, là-bas? Ouais, vers là-bas. Exactement, je connais. Je dois bouger la marchandise. Oh non! En fait, toi, t'es comme l'autre, t'es un mytho. Qui? Jay. Ça y est. Trop la meuf. Bah, t'es bien content d'être là, non? Et... Non, faut pas me comparer à Jay. Avec moi, je te garantis la sécurité, moi. En plus, j'avais entendu que tu l'avais gommé. Pourquoi t'as mis en anglais, là? Je comprends encore, moi. J'ai pas le temps de dire des sous-titres. Ah ouais, je suis trop la carrière. Tu comprends pas? Tu dois me voir comme un mec violent. Non, moi j'aime bien. Ah ouais? Ouais. Ouais, moi je connais des gens en ce moment. Mais... Non mais Amina, elle a vraiment un mec? Bah ouais, pourquoi? T'as cru aller t'attendre toute sa vie. Moi j'étais là, frère. Tout le temps j'étais là sur ses côtes, frère. À aucun moment elle m'a dit que je lui plaisais. Waouh. À aucun moment elle était toujours là, vas-y laisse-moi tranquille et tout. Pour au final j'attends et après elle se met avec quelqu'un, frère. Je sais quoi, ça. C'est dommage, hein. Mais bon, t'inquiète, tu trouveras quelqu'un bientôt, t'inquiète. Ouais, je suis quelqu'un de bien. Ouais, t'inquiète. Laisse-moi sortir, laisse-moi partir. Aujourd'hui tu vas parler, mec. Je peux te dire que tu vas pour cas. Tiens, t'en veux. Oh, ouais! Tu t'es lavé les mains? Non, mais vas-y, flemme, t'as pas de gilet de droit alcoolique? Faut te laver les mains, frère. Monsieur. Non, mais vas-y, flemme, j'ai la veine de bouger là. Vas-y, donne, s'il te plaît. Tiens, attends, j'ai du gel. C'est quoi ça? Ah non, je me suis trompé! Non, j'ai attends, lubrifiant. Attends! Wow. Genre, t'es pas au courant des 2 kilos? Mais quel 2 kilos? Mais je connais des gars! Je sais que c'est toi. Quel gars? Tu vas parler aujourd'hui. Non, mais c'est dégueulasse! Longue durée en plus! Waouh! Non, mais. Non, Jay, là, c'est dégueulasse, hein! Regarde-moi ce chien, là! T'as pissé sur toi! Waouh! Non, mais c'est parce que, oui. En fait, tu vois, la dernière fois, j'avais une bague qui était coincée là, et du coup, je voulais l'enlever, tu vois. Et comme ça glissait pas, il fallait Jay, que. Pourquoi tu fais le geste? Tu veux pas parler, hein? Ah, oh, vas-y, t'es dégueulasse, Jay! De toute façon, tu changeras jamais! C'est pervers! Vas-y, si, barre-toi, frère! Comment ça, moi, je suis un pervers? Grosse cuisse, là. Putain, ça lui va bien, quand même. Allô, Jay? Allô? Ouais, j'ai votre gars. Quel gars? Votre gars des 2 kilos. Ah, comment tu peux savoir c'est lui? Mais si, c'est sûr, c'est lui. Comment? Je vais parler des 2 kilos et à parler de mon âge. T'inquiète, c'est lui. Venez, venez, venez. Vas-y, vas-y, on arrive. Ouais, je vous attends. Putain de merde. Messi Ballon d'Or. Ce petit nain d'Argentin, il sert à rien, ma gueule. Waouh. Benzema, il fait un gros retour, là, comme ça. C'est un fou. Benzema. C'est quoi cette lumière bancale, là? Je devais faire des photos. Toujours des photos. Tu faisais quoi, là, depuis tout à l'heure, chatin? Oh, comme toi, oui. En plus, Inès, qu'est-ce que je voulais te dire? Il y a un gars qui cherchait ton contact. C'est qui? Je sais pas, c'est un vieux gars, il est passé comme ça, je le connais même pas, il me raconter sa vie. J'espère que t'as pas donné mon Insta, parce que tu sais très bien que j'aime pas donner mes contacts comme ça. Non, jamais. Pourquoi tu m'as donné rendez-vous ici? Je t'ai donné rendez-vous ici parce que c'est très spécial pour moi, c'est le QG. C'est quand même. Ouais, tu m'as fait ça bien, mon gars. Bientôt, ça sera mon endroit préféré, je te préviens déjà. Comment ça? Jamais de la vie, je donne ton contact, t'es malade, toi, je garde pour moi le contact. Il voulait quoi? Il voulait te proposer des cours d'arabe. Des cours d'arabe? Des cours d'arabe. T'inquiète pas, en tout cas ta coupe elle grève. T'as vu, c'est Eden Air. Voilà, j'ai envie de faire. Hein. Cool. Qu'est-ce que c'est bien, très bien. J'en cherche depuis grave longtemps. Waouh. Comment ça t'en cherches depuis grave longtemps? Bah c'est trop bien, pourquoi tu m'as pas dit? C'est trop bien. Comment ça c'est trop bien? Bah je t'ai déjà dit, je voulais faire des cours d'arabe et tout, je voulais évoluer. Ouais, après si c'est ça, moi je peux t'en donner aussi des cours d'arabe. Hein? Vas-y, tu pourras me faire ça, hein? What? Hein?
Non, mais je te disais, lui c'est un vieux gars, vas-y, c'est un vieux schlag. Bon bref, t'as fini là, parce que moi j'ai pas le temps. Oh non. Arrête de faire la meuf pressée, moi je te préviens, quand ça sera fait, faudra pas venir me suivre ça, je te préviens direct. Qu'est-ce qu'il raconte lui? Vas-y, vas-y. Ouais, tu vas où? Vas-y, vas-y. Après, j'ai pas son contact, hein. Je te parle vrai de vrai, je le connais même pas ce mec. Hein. Il me raconte sa vie. Ouais, je comprends rien, mais... Non, je serais frais. Ah. De l'eau. Mais ouais. C'est moi. J'ai appuyé, mon gars. Là-bas. C'est ici que j'ai ma fait séquestrer. Ah ouais? Ouais, Lenox, c'est ici que m'a fait séquestrer. Le seul et l'unique. Ah, tu gardes ça pour toi, mon gars. Je reconnais. Putain. Tu gardes ça vraiment pour toi. C'est un fou qui commence à parler, là. Tranquille, le seul, mon frère. Respire. Du calme. Ouais, je sais quoi cet endroit. Il est là. Mais frère, t'es sûr que moi, c'est le bon mec? C'est lui, c'est sûr, c'est lui. Soulé, frérot. Qu'est-ce qu'il y a? T'as l'air pas bien là. Mais non, mais tu t'es trompé sur la personne. Comment ça? Mais non, mais... Vas-y, tu t'es trompé sur la personne, frérot. Qu'est-ce que tu fais? Non, mais t'inquiète. Ça se voit, hein, En ce moment, je suis pas bien en ce moment. Raconte-toi, Tata, dis-moi. Kimena, t'as des nouvelles d'elle? Bah oui, c'est ma copine. Mais pourquoi tu me poses la question alors que tu lui parles tous les soirs? Je parle tous les soirs, mais tu sais, c'est plus pareil, je sais pas. Elle a changé. T'en raconte? Je vais bien te détruire. Attends, je t'ai mis ses yeux. Oh non! Yoyan. Quoi, Yoyan? Je vais bien t'expliquer. En fait, tu vois, vas-y, les histoires de cahiers, on connaît tout ça. Je sais pas, bon, apparemment, elle aurait tarot avec, elle aurait fait des trucs avec. Jamais de la vie, mais saoulé, t'es sérieux? Il connaît, frère, on peut partir de 2 kilos comme ça. Je suis énervé comme ça, mais c'est rien que tu t'énerves. Il y a 2 kilos, mais. Mais t'es sérieux? T'as vu Kimena? T'as vu Yoyan? Ça n'a aucune compatibilité. C'est Yoyan. Il me dit des trucs de ouf aussi. De toute façon, je le savais. Yoyan, t'as dit ça? Non, mais j'y croyais pas, je le savais. Tu vois, mais bon, je préfère quand même me rassurer. Te rassurer? Ouais, mais c'est 2 kilos. Mais c'était pas de la cocaïne. C'était quoi alors? De la coupe? Kimena, déjà, c'est quoi son style de mec? Bah écoute, elle aime les beaux mecs. Genre l'oxé, tout ça. Genre Jay? Yeah! Jay? Ouais? Mais moi je suis loxé. Mais je suis un verbe. Je pense que ça compte ou. C'est. Gros, t'es chelou. Des glaces. Comment ça? Attends, mais dis pas que tu kiffes Kimena. Moi qui fais Kimena? Non, non. Attends, avant que. Hein, ça parte dans tous les sens. Tu la kiffes? Y a rien du tout avec Kimena. Non, jamais. Jamais. Mais tu sais, les meufs, elles sont bizarres, tu vois, elles aiment bien qu'ils fassent leur meilleur pote et tout, ouais. Tu vois, elles m'appelaient de fou, de c'est fou. C'est ça, ouais. Allô, Alain, on a un problème. Merci pour les infos. Wesh. Pourquoi tu l'as dit que c'était des glaces? Ouais, Jacques, c'est comment? Ouais, c'est pour qui ce message? Frère, je vais envoyer ça à Inès. Dis-moi ce que t'en penses. Inès? Comment t'es sur le contact, toi? On va se taper la honte des glaces, Jay. Fallait pas lui dire. En plus, je vais miner, Claude. Mais justement. Ah, gros, je t'ai dit, grâce à l'aide de Dieu, que j'allais avoir son Instagram. Moi, je pensais qu'on allait lui dire après pour les glaces. Après la layette, genre. What? Wesh. Wesh, t'es un taré, tout ce que t'as fait? Wesh, gros, tu t'es pris pour Harry Potter ou quoi, gros? Tu lui as fait un roman comme ça, 2 pages, gros. Wesh, t'es un fou, t'es un gueule d'un. On va se faire flinguer, dis là, on va vraiment se faire flinguer. Il y a Kevin sur nos dos et les grands. Oh. Kevin, il est grand. Oh non. Putain, t'es dehors. Hé, hey, tu joues à quoi? Arrête, j'ai une allergie, wesh. Wesh, t'as pas compris, t'as pas vu ses stories, toi ou quoi? Frère, je vais pas quand même lui dire tiens des cours d'arabe. Faut qu'elle sache qui je suis quand même, non? Ah, mais quitte, gros. Hé, frère, elle est pas dans ça, gros. Elle, c'est les pubs, les vidéos, les photos, gros. Hé, tiens, commence à prendre, commence à effacer, gros. Quelle allergie, vas-y, t'es en train de pleurer, frère. Waouh. T'es bête ou quoi? Je vais pleurer pour des glaces ou quoi? Toi, t'es un fou. Toi, ce que je veux dire, on voit même pas ton message, gros. De toute façon, toi, t'es un tchère, t'es petite. Ah putain, putain, tu connais les grands.
Ils vont ouvrir leur bouche à tout le monde, frère. Bah c'est bon, c'est carré, je vais trouver ça, gros. Attention, on a plein des petites ici. Ils vont tout dire. Personne va savoir. Si, ils vont savoir, gros. Si tu parles pas, ils vont pas savoir, gros. Pourquoi je vais parler, moi? T'inquiète. Ouais, vas-y, t'inquiète. Je te gère ça. C'est bon, je t'envoie ça directement, c'est bon. C'est géré. Passe par Zach, ma gueule. Il croit trop, je vais l'écouter, lui. Les cours d'arabe. Envoyé. Inch'Allah, elle me répond. Mais t'inquiète, j'ai la solution. Voilà, Messi. Petit nain. Et toi là? Apparemment, t'aurais conché ma copine Kimena? Kimena? Oui, Kimena. Donc, Kimena. Toi là, avec ton gros corps, t'aurais penché ma copine. Wow. Vas-y, je t'écoute. J'ai la bonne solution. Comment ça, t'as une solution, frère? Qui t'a dit ça? On s'en fout de qui m'a dit ça. T'as penché ma copine, oui ou non? Et ma gueule, à aucun moment j'ai dit que j'avais penché Kimena. Oh, je vous ai détaré. On doit 5000 euros à Kevin et les deux grands veulent nous monter en l'air pour 2 kilos de cocaïne, enfin de glace. Souley, je vais l'attraper, Souley. Lui, c'est un fou, toi, t'aimes trop écouter ce qu'il dit. Hein. Vous êtes des tarés, vous, wesh. Fais juste pour ta valise, ton sac et on taille. Je sais pas, en tout cas, moi, j'ai entendu ça et que ce soit la dernière fois. T'as entendu, dernière fois. T'es malade, celle-là, wesh. Souley, je vais le tabasser. Et lui, c'est un fou. Je te crois dans un. Dans Roméo et Juliette, quoi, là. Modifier ta valise, ton sac. T'es con, quoi, vas-y, arrête, je rigole avec toi, quoi. Eh hey, mais t'es encore plus belle que sur Instagram. Bonjour. Seulement comment? On va être recherché au quartier là. Et tu regardes tes messages des fois? Ouais, je regarde. Regarde tes DM, c'est Zach quelque chose. Parce que je t'ai envoyé un message là, il y a pas longtemps. Fais juste ton sac, ta valise, on y va, frère. Va où? À un long pavé comme ça. Bah, en fait, je voulais faire connaissance avec toi. Faire connaissance? Fais-moi confiance. En fait, moi je donne des cours d'arabe, littéraire, dialecte. Parce que dès que je t'ai vu, en fait, je me suis dit, celle-là, il faut qu'elle fasse des cours d'arabe. Ah, mais c'est toi dont il m'a parlé, Yan-Yan. Peut-être donc, fais-moi confiance, Jay. Exactement, en fait, moi je te cherchais depuis longtemps, j'ai demandé à Yan-Yan tes coordonnées. Parce que t'es vraiment le profil type que je recherchais en tant qu'apprenti arabe. Fais-moi confiance. Ouais. Oublie pas ce qu'ils nous ont fait, Jay. Ah non, mais c'est bon, c'est bon. Hé, loup, ici. C'est Anthony qui a perdu. Bon, appelle-le. Oublie pas ce qu'ils nous ont fait. Ouais, c'est bon, vas-y, casse-toi. En tout cas, merci de m'avoir frappé en fait. Ouais, je vous montre. Tu te rappelles, non? Lâche-toi, hey, la torse, t'as pas compris? Lâche-toi, je t'ai un fou. Tu te rappelles? Je me souviens pas trop, là. Je sais pas si t'as dit, t'as transmis le message, mais j'allais pas être intéressé. Attends, t'es pas intéressé par les cours d'arabe ou t'es pas intéressé par moi? Les deux. Waouh. Vas-y, va faire ton sac, G. Ah, les deux. Mais tu sais quoi, en fait? T'as mes coordonnées, je suis dispo à toute heure. Je te follow sur Instagram si t'as besoin, je suis bon. Et t'attendais pas de bus? Ça va le faire. Ça va le faire. C'est sûr qu'elle va me suivre. C'est sûr qu'elle va me suivre. Hé hey. Salam alaikum. Je sais qui tu es. C'est donc toi qui casse les couilles à tout le monde. T'as pas l'air casse-couille pourtant. Enfin, une qui me comprend. Merci, ça me touche vraiment. Ouais, ça va, ouais, ça va, tranquille, wesh. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien, ça va, je suis bien. Et ta petite brioche là, c'est trop mignon. Les petites choux et tout, j'aime trop. Eh hey, mais la chouma là, qu'est-ce que tu fais ma soeur? D'ailleurs à la plage où on va? T'inquiète gros, t'inquiète wesh. Tu m'as pas dit où on va? Oh t'inquiète, tu poses trop de questions gros. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Un peu de pudeur non? Tu captes pas là? Capte quoi? T'as pas capté là genre? Non j'ai pas capté. Ah ouais. Wesh, détends-toi, Zach, y'a quoi, wesh? Non, mais tu connais la circulation du sang. Je connais dans l'avion, comme on est pressé par l'air et tout, c'est une dinguerie, frère. Putain, Kimena, elle avait raison, tu casses les couilles. Waouh! Que des fragiles ici. Wesh, elle veut des cours d'arabe, elle aussi, ou quoi? Qu'est-ce qui lui arrive? Je savais pas. Moi, je sais que t'as mal aux oreilles, mais circulation du sang. J'aime trop tes baskets. Non, il va pas là, comment tu prends?
Ouais, non, je te prends un portrait. Je regarde sur un forum. Au fait, je t'ai vu par l'aérien tout à l'heure. Ouais, c'est mes potes. Moi, y'a rien. Tes potes. Ouais. Bah fais gaffe à tes potes, hein. Pourquoi je comprends pas? Oh, ça fait deux jours déjà que je te cherche, tu réponds pas. Mais plus que t'as perdu là contre le petit, t'es devenu bizarre. Ah, t'es devenu pas... bizarre, mon gars. Je suis pas devenu bizarre, regarde. Bah, saoulé, yan-yan, tout ça. Beaucoup de bruit pour pas grand chose, mais tu connais. Comment ça explique? Justement, regarde là, je suis en pleine forme. Changé, là. Ah, le temps il fait froid, il pleut. Tu vas prendre dîner? Bah, il va me dire au téléphone. Pourquoi tu me dis pas au téléphone? Mon gars, il y a des choses qui ne se disent pas au téléphone. C'est pour ça que je t'ai fait venir. Ben quoi? Ben parle alors, mais qu'est-ce qu'il y a? Ah, Crary, tu comprends pas ce que je te dis là? Non. Écoute, tu vois, pour les 2 kilos de cocaïne, j'ai essayé de gérer. Non, toi, t'es bizarre. Comment t'as essayé de gérer tout seul? C'est tes potes ou c'est pas tes potes? Ah si, mais y'a rien. MDR, gère-toi. C'est vrai, j'aurais dû t'appeler, mais j'ai cru que je pouvais gérer. J'ai géré. Je vais t'expliquer. J'ai pris le gars, j'ai rencontré au quartier, il était sur un mur, il tenait le mur comme d'habitude. Je lui pose des questions pour la cocaïne. Il commence à cafouiller, il commence à avouer à demi-mot. Il t'a avoué pour les 2 kilos. Il est là, je l'ai fait parler. Non, t'as 40 ans, je sais pas quelle merde il me raconte. Directement, ça m'a énervé. Je l'ai emmené dans le garage, attaché. J'ai appelé Dier, j'ai appelé Anthony, ils sont venus. Mais le problème, c'est que... ils m'ont parlé d'autre chose. D'après eux, c'était pas de la coque. Ils m'ont dit que c'était de la glace. De la glace, quoi? Des sachets de sucre glace? Non, non. De la glace qu'on lèche. Waouh! T'es sûr? Non, je peux pas y croire. Comment ça, de la glace? C'était de la glace, ils m'ont agressé. J'avais une béquille. Ils m'ont balayé. J'ai voulu courir après eux, ils sont partis. Mais t'inquiète pas. Ils sont toujours dans le coin, on va les attraper. Mais vas-y, tu saoules, qu'est-ce qu'on fait ici, frère? Comment ça, qu'est-ce qu'on fait ici? On a vu ce qu'il est grand. Ils sont là. Toi, tu crois qu'ils sont où? Tu crois voilà, qu'ils sont partis à l'étranger? On va ils se cachent à l'étranger, voilà. Ils sont là. On est en Turquie, frère. Zaman, t'es pas content? Anto, il a dit 2 kilos de coke, frère. Non, je crois que c'était 2 kilos de glace. Oh! T'inquiète pas, ils vont revenir, ils s'éloignent jamais du quartier. Jamais, nous on est là, on est posé, t'inquiète pas. On n'était pas obligé d'aller jusqu'en Turquie. Mais là c'est sûr, ils vont jamais venir ici, c'est sûr. En plus, c'est sûr, on veut voyager et tout, les histoires de tests, mais c'est un frère. Mais non, je te dis, ils bougent pas du quartier. C'est pas comme si on était dans la capitale quoi, on n'est même pas à Istanbul frère, je sais même pas on est où, il y a même pas de réseau ici mon ref. Donc tout ce bourbier, tu me dis c'est pour ice cream. C'était de l'ice cream, la glace qu'on lèche. Attends, un truc qui me revient. On n'est pas à Istanbul, frère. Tu sais, c'est combien la nuit à Istanbul? 3 nuits, là, comme 3 nuits. 16 euros, frère. 16 euros 3 nuits. Alors que où on est là, c'est 6 euros 3 nuits. T'es mal à taille du rein, rabalaise en plus. Oh. Le jour où ils se sont fait voler le soi-disant coke. Tu te rappelles, non? Ouais, je me rappelle, ouais. T'avais plein d'enfants qui couraient. Tu te rappelles? Plein d'enfants, ils couraient. Je me rappelle, oui. Ils avaient des glaces. Mais justement, j'ai pensé à ça. C'est pour ça qu'on a te pestu. On fait ce qu'il est capital. C'est plus sûr. Bah oui, wesh. Pourquoi tu te rappelles? Oui, j'en voulais. Mais j'en ai pas eu ce jour-là. Je crois... Mais là, c'est ça qu'ils ont perdu. Ah, les bâtards! On va faire quoi ici, là? On va faire quoi ici en Turquie, frère? Je peux même parler un seul mot. Oh, ça va, on gère l'anglais, nous. Espinglish, gros, espinglish. Eh, vrai, non, ça va pas se finir comme ça. De la glace, tu te rends compte? T'inquiète pas, l'oiseau ne quitte jamais bien son lit. Ils vont revenir. Bah ouais, mon gars, profite seulement. Profiter de quoi, frère? C'est très bien quoi faire, Jay. C'est bien, tu sais. Come here, please. C'est une blague? Moi, je vais m'installer. On est venu faire quoi, là? Comment ça? On est venu en Turquie pour ça, là. Oh, on est venu pour ça, c'est très bien, dire, on est venu pour mes cheveux. Donc c'est dans ça que t'as mis 5000 euros, en fait. Ouais. Vas-y. Attendez, on va faire quoi? Ah, top.
Salut, dis comme toi, gros. De toute façon, c'est fait, là. Grâce à Belair, je vais changer ma vie. Hey, ça va? Ça dit quoi? Ça compte rien, les doigts. On est là. Les boîtes, c'est fermé. Ça, ce soir, c'est la dernière en plus. Ouais. J'ai trop la rage. Tu veux pas venir? Non. En ce moment, je suis sur d'autres choses. J'ai un petit date, ce soir. Hein? Ouais. Franchement, j'aime mieux ta coupe. Hein. Je conserve pas depuis toi. Sérieux? Ouais, comme ça. Vous savez, avec le cœur sur le côté. J'aime beaucoup le modèle. Ça te ferait bien, je crois. Ah ouais? Ouais. Merci. En tout cas, t'es très très belle comme ça. Merci. Avec qui? T'en poses beaucoup des questions. T'es chelou, toi. Quoi? Avec qui? C'est pas ton problème. Je suis choqué. Mais sinon, j'ai une autre solution. En vrai, on peut bouger. J'ai des d'ailleurs, tranquille, dans un autre pays et tout. À deux. Merci. Ouais, j'étais sérieux, toi? Carrément, les boîtes, elles sont ouvertes dans les autres pays. Je répète ma question. À deux. Oh non. Toi, tu fais toujours des manières, de toute façon. Mais depuis quand? Ah ouais, quand les chats ne sont pas là, les souris dansent. Hein. T'es là, tu souris, tu montes tes dents, là. Ton piercing, on dirait une vache, là. Mais je suis laisse-là, moi, j'aime bien les vaches, moi. Vas-y, va là-bas, t'es natte collée, là. Beau, beau. T'es chelou, toi. On va faire un truc. On fait un parfait ciseau, et si je gagne, on bouge. Vas-y, c'est tout. C'est bon? Qu'est-ce qui t'arrive? Arrête de le forcer comme ça, wesh. Ah, c'est très bien ce qu'elle a fait. Hein? Espèce de traître, va. Traîtresse. Et je me suis tombé sur toi. What? Tu t'es trompé sur moi, enfin, je comprends pas ce que t'as à dire. Mais en fait, c'est un toilette pervers, c'est pas toi. Eh, arrête, Jay. Mais non, j'arrête pas, frère. T'as oublié ce que tu disais? Ah, Jay, je suis désolé, je me suis trompé, c'est pas toi le pervers, c'est Anthony, en fait. Oh! Comment ça, je suis un pervers, moi? Ouais, t'es un porc, toi. Mais t'as dit quoi? Comment ça, je suis un pervers? Pierre, feuille, ciseaux. T'as dit qu'elle allait te voir tout nu. Quoi? Moi, j'ai dit qu'elle allait me voir nu, moi. Ouais, t'as dit ça. Moi, j'ai dit? T'allais me voir tout nu? Oui. Parce que j'ai demandé. Pense pas. Mais t'es bête ou quoi? T'allais me voir à nu? C'est que bientôt tu pourras me voir à nu. Tout nu? Oh non! Eh vas-y, t'es dégueulasse. Eh, wesh, tringue. Wesh, pas grave. À nu, sans durac quoi? Sans durac, à nu. C'est ça ce que j'ai dit? Oh, mais c'est pas pareil, cousine. Waouh! Ah. Tranquille. Attends, pause. Tu débordes. Quoi? Eh ben, c'est de week-end à spa. Je te comprends pas ou quoi? Je me suis trompé. Non, tu t'es trompé. Enfin, tu t'es pas trompé. C'est que je suis pas un pervers. Enfin, c'est que c'est lui le pervers. Je suis un pervers, non? Non. Tranquille, c'est convivial, on est entre nous. Mais par rapport à quoi? Depuis quand? Eh, mais toi, tu fais trop de manières. Les gars de ce quartier, vous êtes trop bizarres, hein. Tu fais des manières. Non, vous êtes bizarres. Vous êtes tués. En fait, c'est lui le pervers. C'est pas le pervers. T'as oublié les capotes, hein. Non. Oh, vas-y, ça y est, arrête avec cette histoire. Mais ouais, t'es chelou toi, wesh, t'as pas vu ton mec ou quoi? Quel mec? Comment ça, quel mec? Jay. Voilà. Je suis menacé. On t'a attrapé, Jay. Je suis menacé. Sale porc, va. T'as vu? Oui. Eh, commence même pas toi et ton histoire de mec, tout ça. Mec par rapport à quoi en fait? Mais je sais pas, tu vas voir Anto, tu vas voir Jay, tu parles d'eux, je sais pas, quel bail en fait, attends, tu m'appelles attends. Plus. Par prétexte que je vais les voir pour parler avec eux, c'est mes mecs. Donc là, actuellement, tout le monde c'est mes mecs. Dans ce quartier, tout le monde c'est mes mecs. Arrête de trouver des excuses. Encore? Mais non, c'est un quiproquo ça, ouais, c'est bon. T'as pas changé toi. T'as pas changé. Vas-y, bouge là. Dégage ta main. Dégueulasse, vous. Je sais qu'il y a quelque chose entre vous. Et toi, t'es chelou, toi, en fait. T'es bizarre. Ouais. T'es jaloux. Jaloux? Non, parce que toi aussi, on m'a dit dans le quartier que, hein, tu pouvais être pour moi. Vas-y, vois la boîte. Il y a un malentendu. Ah, ça, c'est sale porc, vous. Il y a un quiproquo, wesh. Ouais. T'as vu comment c'est un dégueulasse? Ouais. Ah, ouais. Vraiment dégueulasse, ce gars. À quelle heure? Tu crois chez moi? Donc là, t'es en train de lui faire une crise de jalousie. Mes potes, c'est toi. Non, t'inquiète, c'est mignon, j'aime bien. Ah, tu feras même pour plus. J'aime bien continuer. C'est quoi, je te rappelle pour le date seulement. Allez. Wow! De toute façon, il y a beaucoup de mots aussi, ils sont tous amoureux de moi, c'est dingue. Elle sait ce que je fais dans la vie. Je t'ai fait tomber ton nuage, j'ai pas de soleil après l'orage. Elle connaît par cœur mes chansons, elle veut que je rentre à la maison. Baby adore quand c'est brossant. Elle m'a vu passer comme un mirage.